Recording now. Did you guys spend the night here or came so early? Like, everything is so well set. Now I feel guilty, like, being late. Oh no, we were here yesterday. Yeah, okay, all right. Okay. Ceci est une entrevue avec Aziz Fall, enregistrée à Montréal au Musée McCord le 17 novembre 2015. L'intervieweur est Isabelle Masson. Est-ce que vous pouvez nous dire votre nom? Alors, je m'appelle Aziz Salmon Fall. On m'appelle en fait Aziz Fall. Est-ce que vous acceptez de participer à notre projet de recherche sur le mouvement anti-apartheid au Canada? Oui, je suis très enchanté de participer. Je trouve que ça arrive un peu tard d'ailleurs qu'il y ait un regard rétrospectif sur cette période historique si importante. Est-ce que vous acceptez qu'on enregistre l'entrevue aujourd'hui? Volontiers, oui. Merci. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelle année vous êtes né? Alors, je suis né en 1962 à Dakar, au Sénégal, d'un père sénégalais et d'une mère égyptienne. Et j'ai grandi dans les pays arabes, en fait, pendant ma tendre enfance, principalement en Égypte, en Arabie Saoudite et au Liban. Et j'ai connu mon âge d'enfance un peu plus tardif, jusqu'à l'adolescence au Sénégal. Et je suis arrivé ici en 1982. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de vos parents? Alors, j'ai des parents, en fait, qui sont de vrais modèles pour moi. Mon père descend de la lignée de ceux qui ont régné dans une portion du Sénégal, le Kayor et le Baol. Donc, c'est une famille aristocratique qui a duré peut-être 4-5 siècles de règne et qui ont été battus par les Français. Donc, mon père fait partie de cette génération de nationalistes africains qui ont cru à la promesse de la France de les considérer comme des sujets. Il faut dire que le Sénégal était un pays particulier puisque les natifs des villes principales pouvaient être français. C'était une des politiques françaises de diviser. Donc il a réussi à aller à la guerre comme lieutenant de la marine et quand il est revenu, il s'est rendu compte que les promesses coloniales étaient fausses. Donc il va rejoindre le rang des résistants, ils seront pourchassés. Et ils vont fuir par le Mali, le Niger, jusqu'au Congo. Et au Congo, qui était un pays jeune en train de naître, en pleine lutte dans la période bipolaire, il va se faire naturaliser congolais et il va être nommé ambassadeur en Égypte. Et donc, c'était les débuts des relations internationales africaines avec l'Ouest et l'Est. Et malheureusement, le Congo, qui est une anomalie géologique, va être assailli par les forces impérialistes et Patrice Lumumba, qui était son ami, va se faire assassiner. Et c'est donc mon père et ma mère qui amènent Pauline Lumumba et ses enfants en Égypte. Mon père a connu ma mère une année plus tôt dans un bureau de traduction où il faisait traduire ses documents diplomatiques. Et elle était une jeune femme, la seule universitaire de sa famille, une famille de 8 femmes. Son père était une sorte de contremaître, mais dans le système ferroviaire. Un homme modeste, sa femme était turque. Donc maman a été plutôt métissée, elle venait de Minya, qui est le milieu de l'Égypte. Et donc elle a fait des études brillantes à Al-Azhar, elle est sortie majeure de sa promotion, ce qui était rare pour l'époque. Et elle a joint un peu le mouvement nationaliste nassérien. Et c'est par un pur hasard donc qu'ils se sont rencontrés dans ce bureau de traduction de son cousin. Et mon père est tombé follement amoureux. Il était déjà plus âgé que ma mère. Il lui a caché son âge de 20 ans et ça paraissait pas. Et ça a été l'amour fou. Et donc je suis né peu de temps après, en fait, un an et demi plus tard. Et hélas, elle a contracté un tétanos juste après ça. Elle s'en est sortie, ça l'a affaiblie toute sa vie, mais c'est une dame très brave qui elle avait étudié histoire et géo. Ensuite, elle s'est mise à enseigner l'arabe dans des formules plus pédagogiques, didactiques. Et ça a été vraiment des parents exemplaires, des modèles qui sont beaucoup sacrifiés pour nous. Nous sommes 4 enfants et ils sont morts en 2012. En l'espace d'une semaine, l'un après l'autre, ils se sont suivis après 50 ans de vie commune. Donc vraiment, j'ai eu des parents extraordinaires, très modèles, qui m'ont enseigné, inculqué des valeurs d'intégrité, de justice sociale,
Mon père est une sorte de nationaliste progressiste qui avait un aura d'ailleurs les communistes parce qu'il trouvait que le goulag et tout cela. Donc moi j'étais déjà très turbulent et donc très radicalisé. Et on avait des discussions interminables sur la Chine, l'Afrique, le panafricanisme. Et c'était en fait un humaniste, un homme très juste. Et je crois que tout cela a beaucoup contribué à façonner des traits de ma personnalité ultérieure. À quel moment devenez-vous politiquement actif ou engagé? Est-ce qu'il y a un moment pour vous dans votre jeunesse où c'est un peu un tournant ou un point d'engagement? Oui, alors il y a un tournant assez spectaculaire parce que comme j'ai dit, j'étais quand même dans une famille très politisée, donc il n'y avait pas vraiment de mérite à cela. J'étais plutôt un enfant un peu délicat, très sportif, mais je souffrais d'asthme juvénile. Et un jour, mon père m'amène après une crise d'asthme chez un docteur qui s'appelle le docteur Diop. Et je vois par l'entrebâillement de la porte que ce docteur pleure sur l'épaule de mon père. Il me fait ma piqûre comme d'habitude et on repart. Et quand on ressort dans la rue, il y a des barricades partout, des jeunes qui cassent, qui sortent. Et en fait, on avait assassiné le fils du docteur. Il s'appelait Blondin Diop. Et c'était un des jeunes résistants sénégalais qui luttait contre la politique néocoloniale. Et mon père, complètement hors de lui, qui s'était contenu jusque-là, m'explique ça. Et ces jeunes-là avaient essayé de brûler une portion de l'annexe du centre culturel français. Et l'époque, Senghor, le président du Sénégal, est un peu le prototype assez ambigu entre le nationalisme africain, mais l'homme des Français, le néocolonialisme. Et ça va vraiment enclencher un processus chez moi pratiquement irréversible de prise de conscience. Nous vivions dans un quartier quand même relativement favorisé, mais attenant à des bidonvilles. Et du fait de ma nature dite aristocratique, j'étais pas censé faire de la musique, alors que mon frère et moi avions appris de nous-mêmes à jouer de la musique, ce que notre père nous interdisait, pour des histoires de caste, etc. Et très vite, en développant la musique, je vais en fait m'acoquiner avec les jeunes des quartiers pauvres. On va jouer pour eux, on va se lancer à soutenir des associations qui étaient toutes des formes clandestines de partis politiques, mais qui utilisaient le volet culturel. Et tout cela va accélérer ma politisation. Donc à l'âge de 14 ans, je faisais déjà partie de cellules insurrectionnelles. Donc je ramenais chez moi des prospectus cachés de lutte contre l'impérialisme, etc., que je cachais sous mes habits, qui étaient eux-mêmes plastifiés à cause des conditions tropicales. On se passait ces documents l'un à l'autre. On n'avait pas Internet, là. Même les bibliothèques étaient presque inexistantes. Donc ces documents étaient utilisés, édition de Progrès, édition de Moscou, Parti communiste français, mouvements syndicaux divers, mouvements panafricanistes. Tout ce qui était en fait considéré à la fois turbulent et antisystémique nous a beaucoup attirés. Et il faut dire qu'il y avait un parti unique seulement à cette époque-là et qu'on avait un discours sur la civilisation, les droits humains, le Sénégal étant déjà un laboratoire de démocratie par rapport aux autres pays. Donc au fond, on pourrait dire qu'on était plutôt gâtés du point de vue de nos libertés civiques par rapport à d'autres pays africains. Mais en même temps, c'est un pays qui avait déjà ses cahiers de doléances à l'époque de la Révolution française, donc la politisation était très avancée et nous méritions probablement plus. Et notre génération a été très turbulente, très politisée, c'est-à-dire si je dois comparer avec les jeunes d'aujourd'hui, en toute franchise et en toute humilité, c'est même pas comparable. C'est-à-dire que nous avons fait nos humanités presque nous-mêmes, parce que nous avions profité d'une sorte de vague insurrectionnel du mouvement de décolonisation, du mouvement des non-alignés, du climat de la guerre froide de cette époque-là, et surtout des grandes déceptions des ères d'indépendance. Et donc je prends très vite conscience de la réalité à la fois de l'Afrique, de sa condition néocoloniale, des relents de la colonisation, de la persistance de l'apartheid, qui très tôt s'avère, c'est-à-dire que nous-mêmes nous vivons dans des sortes d'apartheid déguisé, les blancs qui sont européens, les libano-syriens et quelques minorités bourgeoises vivent très très bien. On les voit tous les jours, on vit dans ces quartiers huppés.
Et le reste de la population survit ou en tout cas s'accroche aux bribes de ce mode de vie. Et donc cette réalité qui n'est pas l'apartheid, mais qui ressemble beaucoup à un type de ségrégation, typique des années 60 et 70, va vraiment beaucoup aider à la maturation de ma prise de conscience. Et donc j'ai grandi en fait comme un adolescent, je dirais romantique. Contre la violence, mais en même temps qui était prêt à mourir pour les causes nobles de cette génération-là. Donc ça faisait un mélange assez ambigu finalement, existentialiste. Donc j'avais lu Kierkegaard, j'avais lu l'essentiel des humanités. Et lorsque, à 18 ans, je suis en fait potentiellement prêt, j'ai choisi philosophie, j'ai des amis qui sont pratiquement tous plus âgés que moi. J'ai deux vies, en fait, même trois, je dirais, une vie clandestine politique que très peu de gens connaissent, y compris ma famille. J'ai une vie musicale qui est effectivement un mélange de jazz et de musique africaine mélangée, très métisse. Et j'ai le Aziz que tout le monde voit, qui a l'air un bon garçon rangé, musulman, un peu délicat. Et donc voilà, j'arrive autour de l'âge de 19 ans et là je vole un jour la voiture de mon père pour aller faire des copies, des rognotypeuses de documents de propagande en fait de gauche à l'époque et à l'université de Dakar pendant qu'il faisait la sieste. Mon père était un homme très souriant, même quand il se réveillait, il était tout le temps souriant et là je lui reviens avec les clés de sa voiture. En fait, même pas les clés, les clés étaient dans la voiture. La voiture avait fait plusieurs tonneaux. J'ai raté un virage, j'ai manqué de tuer une personne qui était au milieu de la chaussée. C'était abrasif. En tout cas, j'ai raté le contrôle, j'avais pas de permis. Et j'ai complètement détruit sa voiture. Et je le réveille dans sa petite sieste. Il faisait une sieste de 20 minutes. Et je lui raconte ça. Il me dit, est-ce que tu as tué quelqu'un? J'ai dit non. Alors là, il m'abreuve d'insultes et quand il arrive et qu'il voit la voiture, en fait, il l'arrête parce qu'il réalise, et moi-même à ce moment, j'ai réalisé que j'aurais pu mourir. Et là, il se rend compte qu'il faut que je quitte le pays. Il faut vraiment que, s'il se dit, ce gosse-là, ça va mal finir. Il faut qu'il quitte le pays. Et donc, j'ai commencé à faire mes applications pour l'extérieur. Mais je ne voulais pas aller en France comme la plupart de nos citoyens qui étaient déjà. Nous avions en hantise, en toute franchise, la France et ses humanités. Il fallait tout sauf la France. Et par un hasard extraordinaire, en fait, des bandes illustrées qu'on lisait, il y avait les aventures de Blake le Roc, que les Canadiens ne connaissent pas, mais que les Français connaissent, et qui était l'image d'un Canadien français bûcheron qui luttait contre les Anglais dans un espace qui semble ressembler au Nouveau-Brunswick, avec un jeune trappeur. Qui s'appelait Roddy, un savant un peu excentrique qui s'appelait le professeur Auchultis. Et moi, je suis convaincu que c'était une revue canadienne et il raconte en fait la déportation des Acadiens, il raconte la résistance des rebelles patriotes. En fait, il brode sur une histoire qui a vraiment eu lieu à l'époque juste avant le haut et le bas Canada. Et donc, moi, je dis, ben, je vais en Amérique, mais je vais là où il y a ces gens-là. Et donc j'arrive à Moncton en 1982, l'année où justement le système des Nations Unies décrète vraiment la campagne de mobilisation contre la lutte contre l'apartheid. Et je sais que c'est au Canada, déjà quand j'arrive, je sais que c'est au Canada que le système d'apartheid a été créé, que c'est lui qui sert de moule d'inspiration au modèle sud-africain. Sauf que je vais dans la portion du Canada qui, dans mon imaginaire d'adolescent et de Blake le Roc, a résisté. Et j'arrive à Moncton, qui est une toute minuscule petite ville. Je suis le seul Sénégalais là. En fait, il y en avait un qui était parti juste avant moi, Daniel Senghor. Alors, je demande de prendre sa chambre. Et je découvre en réalité que, ben non, d'abord, les gens ne connaissent pas Blake le Roc. Que la censure canadienne avait tout fait pour que cet illustré-là n'existe pas. Personne ne connaît Blake le Roc. C'était tout simplement une fantaisie française pour nous et pour quelques Français, mais qui était méconnue au Canada.
Par contre, je me rends très vite compte que la nature du système canadien, le système d'Indiens non inscrits, la complexité entre Brayons, Acadiens, les anglophones, Moncton, c'est comme un petit îlot de francophonie. Tout ça, en fait, accentue ma politisation en réalité. J'ai toujours eu beaucoup de chance avec les études, donc sans être nécessairement studieux, j'étais un étudiant brillant, donc j'ai pas eu de problème à vivre une vie militante et étudiante en même temps. Et l'université de Moncton sortait d'une grande grêve, c'était le journal Évangeline, c'était une grande turbulence dans le campus. Et là, je me suis rendu compte, effectivement, à cause des frais de scolarité et surtout à cause d'un trait assez spécial, c'est que les jeunes femmes étaient très, non pas aguicheuses, mais très entreprenantes, ce qui était nouveau dans mon tempérament. On faisait la cour de longs cours, j'étais assez novice en la matière, et là j'avais vraiment une chance incroyable. En fait, la chose qui pouvait me faire rater mes études, c'était ces proliférations littéralement de jeunes femmes libérées dans le campus. Et donc, je me suis dit, non, c'est pas vraiment l'endroit pour moi. Et donc, je me suis stratégiquement replié au Québec où on venait d'avoir les frais d'exemption. Mais un des traits les plus particuliers de cette époque de l'immigration, c'est que lorsque nous cochions les formulaires, il était bien mentionné si on appartenait à une formation communiste, si on avait fait des liens avec le communisme, etc. Et les Africains avaient des systèmes d'association au niveau universitaire, mais rien de politique. Et donc très très tôt, je me rends compte qu'il faut qu'il y ait une organisation à caractère politique africaine qui défende les intérêts. Et donc, je n'ai jamais coupé les liens avec l'Afrique. Pour moi, d'ailleurs, je venais là pour 2-3 ans et je retournais. Et très vite, je vais en fait, m'acoquiner avec, par réflexe naturel, à tout ce qui était déjà résistance ici au Québec et au Canada. Et c'est comme ça que je vais découvrir le réseau contre l'apartheid qui existait, principalement animé dans une portion par des gens qui ont fait de la coopération internationale. Pas des gens de gauche, tous cachés, parce que jusqu'à ce moment-là, l'ANC est considérée comme une organisation terroriste. Et le lien entre le Canada et l'Afrique du Sud est absolument solide. C'est un pays qui soutient l'apartheid, malgré un discours aux Nations Unies, droits de l'hommiste. Et donc très vite, cette sorte d'hypocrisie me touche beaucoup, et à un moment, on se rend compte qu'il faut former une organisation, et nous formons une organisation cachée qui va s'appeler le Groupe de recherche et d'initiative pour la libération de l'Afrique, qui existe toujours, avec 3-4 camarades qui partageaient les mêmes vues, des Africains, des Canadiens, Canadiens-Français, comme on disait à l'époque. Et au début, elle est cachée, effectivement. D'ailleurs, le mot guérilla lui-même se rapproche de guérilla, parce que dans notre esprit, c'est une lutte qui va aller en se radicalisant, parce que les intérêts de l'impérialisme des puissances européennes, américaines, soutiennent ouvertement le régime d'Afrique australe, qui à ce moment-là, si vous voyez à peu près cette période de 1982 à 1990, c'est vraiment la période serrée où l'apartheid est en fait de plus en plus assailli et donc doit résister. Et donc très vite, donc je me politise davantage et ce groupe commence à disons, faire de l'agitation en essayant d'avoir des liens avec tous les milieux, les églises, les mouvements syndicaux, les mouvements associatifs de coopération. Il faut dire qu'ici, au Québec, on venait de vivre la crise du SUCO, qui était une organisation qui était soutenue par l'ACDI, mais qui avait une position assez radicale, qui avait été coupée. Et lorsqu'elle a été coupée, elle a implosé en différentes organisations, dont une portion était sur l'Amérique latine, une sur les pays arabes, et l'autre était sur l'Afrique, le SIDMA, qui était donc l'organisation qui, à l'époque, travaillait officiellement, littéralement, sur les pays de l'Afrique australe. Je m'en suis rapproché très vite. Et je vais rentrer dans cette organisation sur le board
du conseil d'administration du CIDMA, qui animait déjà vraiment l'essentiel du travail. Son équivalent dans l'Ouest canadien, c'était Tickle-Sack à Toronto. Et très vite, on va au Grilla comprendre, parce qu'on essaie de comprendre qui fait quoi au Canada, quelle était la position du Canada officiellement dans les institutions, qui fait quoi, dans le milieu d'affaires, qui fait quoi, en prévision des sanctions. Et très vite, on va se rendre compte de la très grande complexité dans les syndicats, dans les mouvements religieux, dans les mouvements de femmes, de deux poids, deux mesures, de ne pas aller trop loin, etc. Nous avions une ligne très simple, évidente, qu'il fallait soutenir les mouvements de libération, parce que pour nous, les indépendances africaines étaient inachevées, autant dans les pays d'où nous provenons que dans ces pays-là, et que la lutte de libération seule libère, qu'on ne peut pas accorder l'indépendance, qu'il faut aller jusqu'au bout du processus, et que l'establishment canadien faisait partie du problème, que le Canada lui-même devait évoluer vers une sorte de république confédérale, bon, fini la reine, dépasser le conflit confédération. On est avant Mitch, hein, donc on est encore dans l'idée qu'on doit transformer ce monde-là et que c'est encore possible. Malheureusement, c'est en Afrique un moment particulier, né en même temps que notre groupe, la révolution du Burkina Faso, avec un homme qui s'appelle Thomas Sankara, un jeune militaire avec une conscience, qui soutient la lutte contre l'apartheid et qui fait des transformations significatives, anti-impérialistes et anti-néocoloniales, et qui devient notre modèle. Donc nous, on défend une ligne d'un développement autocentré, on compte sur nos propres forces. Et donc très vite, le Grilla se précise vraiment comme une organisation panafricaine ouverte dans une perspective internationaliste à ce que des Africains de partout, des Africaines de partout, mais aussi des internationalistes joignent. Donc on peut avoir des Chinois, des Canadiens. Et la ligne de la lutte contre l'apartheid devient vraiment son, disons, son moteur essentiel. Et donc, littéralement, on se spécialise là-dedans. Si, est-ce qu'il y a... Qu'est-ce qui vous... À ce moment-là, quand vous êtes engagé, quand vous avez à parler de l'apartheid et ce que vous dénoncez au reste de la population, au public en général, qu'est-ce que vous leur dites à ce moment-là pour leur faire comprendre? Alors, c'est très simple, en fait, parce que pour expliquer l'apartheid, il suffit d'expliquer c'est quoi le racisme. Et il faut bien sûr le mettre dans le contexte. Dans l'époque, on est au début des années 80, les conceptions sur le racisme, d'abord, considèrent que la race existe. Alors, en dépit du fait que l'UNESCO décrète que la race n'existe pas, l'essentiel des êtres humains sont convaincus que les races existent du fait de l'apparence extérieure des gens, de ce qu'on appelle le phénotype. Or, une des choses dans laquelle je me spécialise assez surprenant, c'est dans la lignée d'un de nos savants qui s'appelle Cheikh Anta Diop, qui montre l'antériorité des sociétés africaines, non seulement au niveau de la civilisation, mais qu'en fait l'Afrique est le berceau de l'humanité, que les êtres humains sont en fait le produit de la mutation des Africains. Alors ça, évidemment, cette thèse, l'origine monogénétique de l'humanité, n'est pas reconnue. Donc pour nous, elle est essentielle, parce que le travail que nous voulons montrer, c'est que l'Afrique ne peut pas subir sa condition de 6 siècles d'esclavage et de colonisation et continuer indéfiniment ce système-là, et qu'il faut que la vérité scientifique s'impose. Et cette vérité scientifique, c'est qu'il n'y a pas de race. Il y a une race, c'est la race humaine, et que sa physiologie, tout simplement, la différencie sans qu'il y ait aucune forme de hiérarchie. À l'époque, c'est très difficile d'expliquer ça. D'abord parce qu'au Canada, c'est un système raciste qui a fonctionné sur la mode de la ségrégation. Nous refusons le statut de minorité visible qui nous est octroyé. Pour nous, nous sommes des peuples immigrants comme tous les autres Canadiens, qui sont dits de souche, mais les seules populations de souche sont les Amérindiens qui sont rentrés ici par le détroit de Bering, et que donc nous sommes des immigrants comme tous les autres, et qu'à ce titre-là, ce n'est pas à eux de déterminer qui est Canadien ou pas, puisque nous venons participer aux mêmes édifices et devrions être tenus. Donc ça, c'est vraiment la ligne qui fait que lorsqu'on aborde cette question de la lutte contre l'apartheid, nous avons une explication très simple. On est raciste ou on ne l'est pas.
On l'est inconsciemment, donc on ne peut être raciste qu'à partir du moment où on ne comprend pas scientifiquement et on développe des complexes ou d'infériorité ou de supériorité. Ce qui nous amène évidemment à critiquer les Africains, ceux qui, dans la lutte contre l'apartheid, font de la question du black is beautiful, la conscience noire. Ça s'explique, mais aussi une sorte de racisme à rebours. Et nous, nous prenons l'internationalisme, nous disons il n'y a pas de race, il y a une race humaine. C'est la solidarité des peuples qui peut amener le changement de ce monde. Et il faut absolument que le Canada change et qu'il arrête de soutenir l'apartheid. Et nous faisons une démonstration très simple de comment les religions, comment le système du capitalisme global, comment l'ordre de l'establishment anglo-saxon, comment les liens entre le sionisme, l'apartheid, les guerres, les luttes de libération, malheureusement, rentrent et créent cette spirale de violence. Et nous expliquons que l'égalité seule libère, mais que cette égalité n'est pas possible sans fraternité, que cette fraternité n'est pas possible sans liberté, que chacune de ces choses est liée. Et donc notre discours, en fait, est absolument imparable. C'est-à-dire que on se rend compte que dans les ONG, dans les églises, il y a encore des vestiges de ces problèmes-là. Or, paradoxalement, malgré notre jeunesse et le fait que nous soyons africains, en fait, on a un discours non seulement cohérent, mais il pogne partout où nous allons. Et c'est ce qui explique que très vite, on se retrouve à la table des grands. Très vite, on se retrouve écouté par autant les décideurs de ce pays que les acteurs, alors qu'on est sorti de nulle part. Il manquait effectivement une voix authentiquement africaine, scientifique et progressiste. Et donc, on va littéralement s'imposer dans le débat en touchant tous les milieux de la société. Donc, on a négligé personne, les chevaliers de Colomb, les cercles de fermières, les Hells Angels, les mouvements différents de toutes les ethnies, les églises, les syndicats. Tout le monde sera consulté bénévolement parce que notre groupe fonctionne sur une base volontaire, n'a pas de subvention, ni du fédéral, ni de quelconque. Et donc, cette liberté fait que nous avons une liberté de ton. Et la question raciale, eh bien pour nous, nous étions le reflet de l'antiracisme. Nous avions des gens de toutes les origines dans notre groupe. Et la ligne était cohérente, féministe, socialiste en fait, et absolument ouverte sur un humanisme antiraciste. Est-ce qu'il y a un ou des moments clés qui vous restent à l'esprit toutes ces années plus tard de cette expérience-là, une journée, une rencontre particulière, une expérience particulière qui vous reste à l'esprit comme témoignant vraiment de toutes ces années? Oui, bon, alors, faut dire qu'il y en a plusieurs. Moi-même, je me suis marié à une personne qui descend d'origine irlandaise et québécoise. Donc, nous avons eu un premier enfant que j'ai porté dans mon snuggly, qui est ma fille Fawzia, qui enseigne maintenant à Londres. Et donc, qui était en fait un peu la preuve vivante de cet antiracisme. Donc, un enfant métis qui était. Nous n'avions pas les moyens d'avoir de gardien, etc. au début. Donc, c'est un enfant qui faisait partie des meetings, qui, même lorsqu'elle va être à la garderie, et va continuer à vivre avec nous notre vie militante. Et donc, qui va être très vite éveillé, qui était une sorte de porte-voix, et en même temps d'une grande vulnérabilité, puisque très vite, la lutte se corse. C'est-à-dire qu'on se rend compte que il y a militantisme et il y a une ligne que nous avions franchie. En tout cas, moi, personnellement, j'avais franchi dans mon groupe. J'ai commencé à être surveillé. Alors la question était, j'étais surveillé par qui? Est-ce que c'était les services canadiens ou est-ce que c'était les bourgs? Et j'échappe à un attentat, en fait, très peu de temps, juste après l'assassinat de Dulcie September. D'ailleurs, j'ai retrouvé une des lettres que j'avais écrites de Dulcie September, que j'avais laissée, parce que Dulcie se fait assassiner un an jour pour jour à la naissance de ma fille. Là, à ce moment, je prends la pleine mesure que la vie que je suis en train de mener met en danger mon épouse, mais aussi mon enfant. Jusque-là, c'est assez un militantisme romantique.
Et le proverbe de mon père me revient, qui est la différence entre le courage et la témérité. Donc, ça paraît être une nuance, mais quand on est jeune, on ne la voit pas. Et mon père me donne l'image en me disant, tu vois, être courageux, tu peux aller taquiner le lion, lui tirer la moustache, mais être téméraire, c'est lever la queue du lion et lui mettre le doigt dans son anus. Et donc, effectivement, cette marge fait qu'on lutte contre quelque chose d'extrêmement puissant. Aujourd'hui, on ne comprend pas, mais moi, très tôt, avec les gens du mouvement contre l'apartheid à l'extérieur, il faut comprendre qu'il y a au sein du mouvement contre l'apartheid des cellules cachées de soutien de l'ANC. Le Grilla, très tôt, devient en fait un appendice de l'ANC par son soutien clair. Les autres ne veulent pas avoir un soutien explicite parce qu'ils reçoivent de l'argent du fédéral. Et c'est ce qui va expliquer plus tard pourquoi le mouvement contre l'apartheid n'adviendra pas au Canada. Donc, nous, dès le départ, nous faisons, comme je l'ai expliqué, un choix clair. Nous soutenons les mouvements de libération, sans équivoque, par tous les moyens possibles qui seront requis, incluant la lutte armée s'il le fallait. Et donc, nous n'excusions pas la lutte armée de l'ANC, qui était une défense légitime. Mandela est en prison, Chris Annie, le chef de la branche armée, j'entrevoirai 5 minutes de ma petite vie, sera assassiné plus tard, mais c'est les gens qui luttent. Et donc oui, ces moments-là sont des moments extrêmement tendus. Donc je revois encore lorsque mon épouse m'accueille un jour, puis me dit, eh ben, un type bizarre qui est venu à la maison. Puis effectivement, il avait un accent qui n'était pas canadien. Et là, je commence à réaliser effectivement qu'ils sont parmi nous. Et j'avais un coffre-fort assez spécial et assez, pas robuste, mais il avait été scié sur ses gonds. Donc la combinaison n'avait même pas été ouverte et les documents étaient tous à leur place. Et donc, sauf un et qui avait été déplacé. Et là, j'ai un ordre assez méticuleux dans mes affaires. C'est-à-dire, there's an order in the mess. Donc, il y a une sorte d'ordre dans mon désordre, mais je connais mon désordre. Et là, tous ces petits événements mis ensemble m'ont très vite mis à l'épreuve que maintenant, j'étais dans une autre catégorie. Et l'assassinat de Dulcie September, qui était vraiment dans notre mouvement, une personne humaniste, qui d'ailleurs répugnait à la violence, une dame extrêmement raffinée, qui a assassiné, qui ne voit même pas ses agresseurs dans le dos, c'est une toute petite dame vraiment d'une délicatesse, me montre la monstruosité des gens contre qui nous luttons. Parce que ce que nous faisions à ce moment-là, nous étions en train de comprendre la filière d'armement de l'Afrique du Sud, qui s'étendait y compris au Canada et aux États-Unis. La filière d'écoulement de diamants, De Beers et compagnie. Et en fait, ce que nous étions en train de préparer, c'était plus que la question des sanctions seulement, parce que les sanctions, c'est ce qu'on voit, mais derrière, il y avait quelque chose de beaucoup plus grand, qui était quel était le soutien réel militaire que les forces sud-africaines obtenaient de l'extérieur, qui était leur relais. Et là, c'était terrible, en fait, de découvrir le soutien objectif que ce pays-là avait à l'extérieur. Alors ça, c'est un premier moment, effectivement, qui est très, très marquant. Le deuxième, il est encore plus drôle. Donc, c'est lorsque Mandela est libéré. On y reviendra peut-être dans l'entretien, mais disons que notre travail de lutte contre l'apartheid fait que Montréal devient une ville anti-apartheid. On a tout fait pour déguerpir le consulat sud-africain. Donc, un jour, finalement, Mandela vient pour remercier. Et je ne me souviens plus si c'était Suzanne Dansereau ou quelques gens de notre environnement et des gens du protocole me disent, on va vous donner 5 minutes avec Mandela à l'hôtel de ville, vous bougez pas d'ici. Donc on est dans un petit salon comme ça et donc j'attends. Et là je passe en revue qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui dire, etc. etc. Les minutes passent. Un moment, ben, je trouve que c'est quand même bizarre. J'entrouvre la porte, personne n'arrive. Je dis, bon, c'est normal, protocole, etc. Mais c'est un silence incroyable. À un moment, je dis, mais c'est pas normal. J'ouvre la porte, je sors. Alors, non seulement Mandela n'est jamais venu, mais j'ai même raté l'événement de Nelson Mandela qui avait lieu à l'extérieur. Et où nos propres membres vendaient toutes sortes de documents. D'ailleurs, on a fait un film pour en finir avec l'apartheid. On voit nos membres en train de vendre des affiches et tout.
Alors ça, c'est vraiment un truc extraordinaire parce que finalement, je ne l'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu. Et en même temps, ça révèle un peu toute la complexité et le fait qu'on n'a pas fait ça au fond pour être remercié. Donc quelque part, je me sens très privilégié aujourd'hui de reparler de tout ça parce qu'il y a très peu de reconnaissance finalement. Cette année, il y a eu quand même effectivement au Parlement québécois une petite note. Il a fallu attendre Elie Bitzer du consulat sud-africain, qui était notre ennemi, qui m'a accueilli chez lui un jour. Puis on découvre qu'en fait, on a plein d'affinités. Il a fallu attendre Elie Bitzer, qui a fait un petit entrefilet dans le journal du consulat, pour qu'il y ait une reconnaissance du travail anti-apartheid de notre groupe et de ma modeste personne. Mais sinon, jamais jusqu'à présent, les Sud-Africains n'ont reconnu tout le travail incroyable qu'on a fait, alors qu'on a vraiment donné notre vie pour ça. Pas même une petite note de reconnaissance, ni de l'ambassade, ou même, je sais pas, une visite de remerciement dans le pays. Donc aujourd'hui, je suis invité dans plein de pays au monde, et curieusement, toujours pas par les autorités sud-africaines, qui pourtant savent pertinemment le travail colossal que le GRILA a rempli et qui sont là, les textes, les documents, les lettres des représentants de l'ANC l'attestent. Voilà. Mais bon, l'histoire s'écrit et j'imagine que le fait que petit à petit des gens comme vous découvrent des pans d'histoire amène à la lumière ce qui s'est fait. Parlez-nous du mouvement au Canada. Vous disiez justement qu'il n'y a pas eu de mouvement national anti-apartheid au Canada. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette histoire-là? Oui, alors donc effectivement, dans les années 70 et au début des années 80, il y a beaucoup de bonne volonté. Donc le mouvement est parcellaire. Il y a au niveau des syndicats, des mouvements, disons, plus ou moins gauchisants, réseaux associatifs, volontaires, citoyens ou pas, des tentatives effectivement de cristalliser une politique qu'on va dire fédérale. Canadienne, anti-apartheid, dont l'événement le plus marquant sera le sommet Taking Stride, qui va essayer effectivement de proposer une plateforme contre l'apartheid. Mais très vite, en fait, pour toutes sortes de raisons qu'on peut résumer à quelques-unes, la première, c'est que une bonne partie des organisations qui sont les plus actives reçoivent des subsides du fédéral. Donc, sont ce qu'on appelle assez paradoxalement des organisations non gouvernementales. Mais quelque part sont des appendices indirects de la politique étrangère du Canada, ce qui ne les empêche pas d'avoir une politique eux-mêmes virulente contre les autorités canadiennes, de dire le droit, de dire quelle est la position des Nations Unies, ou même de prendre position avec les forces de l'apartheid. Donc il faut qu'on se comprenne bien. C'est une sorte d'ambiguïté qui, d'un côté, oui, ces mouvements-là sont anti-apartheid authentiquement. Qu'ils soient infiltrés, c'est pas impossible, mais pour l'essentiel, je dirais à 90%, sont de notre côté. Donc, ils veulent une politique anti-apartheid réelle. Par contre, répugnent à ce qu'il y ait un front commun qu'ils ne contrôlent pas. Donc, ils ne s'objectent pas à ce qu'il y ait un réseau pan-canadien, mais je crois que la directive du caractère apolitique, le fait qu'ils reçoivent des subsides, leur propre rivalité crypto-personnelle et idéologique, hein, font que malheureusement tout cela n'aura jamais lieu. Bon, bien sûr, on peut donner d'autres éléments, la grandeur du territoire, etc., etc. Mais bon, je crois qu'il y a eu d'autres mouvements anti-apartheid de par le monde. Nous avons donc échoué à avoir un mouvement canadien, mais nous avons fait des propositions. Et modestement, nous-mêmes avons fait des propositions. Moi, par un hasard, je tombe sur Walter McLean dans un avion. Il se trouve que j'ai le brouillon de notre proposition que je vous montrerai. Et ce qui est intéressant, c'est que les conservateurs, qui se font appeler progressistes conservateurs, parce qu'ils savent pertinemment qu'ils sont proches des intérêts de l'establishment anglo-saxon qui soutient encore l'apartheid, cherchent à se démarquer. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Walter McLean, Joe Clark et Brian Mulroney vont s'emparer de la plateforme contre l'apartheid et vont la proposer dans la perspective du sommet du Commonwealth. Ils n'avaient pas de politique extérieure et ça a tout simplement rocketé. Ils ont tout d'un coup été propulsés sur la map
Et le Canada s'est retrouvé à la tête du processus de la lutte contre l'apartheid, alors que c'était le pays prototype même de la lutte contre l'apartheid, en fait, de l'avènement de l'apartheid. Parce que c'était son modèle qui a été en fait repris d'une certaine façon par le système dominion anglais là-bas. Alors, cette conjoncture assez paradoxale qui fait qu'on passe d'un État où l'Afrique du Sud et le Canada sont des alliés à un État où le Canada enfin met en pratique ce qu'il prêche dans les discours de l'ONU, va galvaniser et radicaliser les groupes. Mais pas suffisamment pour qu'on se cristallise dans un réseau. Et donc nous avons échoué au sommet de Vancouver. Là, je rencontre pour la première fois Thabo Mbeki, qui sera plus tard chef de l'État, Toivo ya Toivo, qui est un des grands chefs de la Namibie. Ils sont absolument emballés par notre proposition, mais ils voient que nous sommes marginaux, que notre proposition d'un réseau pan-canadien ne fonctionne pas. Donc c'est un échec. Il y a une grande coordination des efforts, mais pas assez pour avoir un front commun. Alors c'est comme ça que nous formons un réseau contre l'apartheid au Québec. Et là, rebelote, ce qui voulait se faire au niveau canadien, ben, il y a des résistances. Certaines des organisations vont essayer de résister, parce qu'elles avaient un peu le monopole sur ça, craignaient de le faire. Nous avions déjà comme mouvement des jeunes un réseau qui s'appelait Réseau Amandla, avec une petite feuille de chou, une sorte de périodique. Objectivement, personne ne pouvait s'objecter contre un réseau québécois contre l'apartheid. Donc on va réussir en toute force au CIDMA, qui était ambivalent. Nous allons démissionner, Dan O'Meara et moi, qui lui était représentant de l'ANC, en fait pas représentant, mais un des membres de l'ANC, au sein même du CIDMA. Nous allons démissionner du board quand on va se rendre compte qu'il y avait une position ambivalente sur ça. Et nous allons forcer les choses. Le Grilla va littéralement forcer les choses pour créer un réseau contre l'apartheid. On va aller à l'ACOSI, on va demander à toutes les ONG qui sont là de signer. Ils vont accepter sur le principe, personne n'était contre. Et c'est comme ça que le réseau québécois contre l'apartheid est né. Et c'est comme ça que j'ai eu la chance de le coordonner. Et ça a été effectivement une radicalisation rapide. Donc on a eu en fait l'histoire qui est arrivée. Plus personne ne pouvait être contre l'ANC parce que le rapport de force montrait que non seulement ils étaient fréquentables, que ce n'étaient pas des terroristes et qu'ils étaient inévitables dans le processus. Donc le vent a tourné et nous avons organisé les élections, des levées de fonds pour l'ANC. Et voilà, donc comme on dit, the rest is history. On a eu la chance de participer à cette odyssée-là, mais de façon volontariste. Donc on a forcé les choses malgré le fait que ceux qui ne voulaient pas que ça ait lieu. Et qui ont résisté jusqu'au dernier moment, ou qui ont traîné des pieds parce que bon, ils n'en avaient plus l'initiative, ont été débordés par leur périphérie. Sur ce point de vue, oui, je crois que c'est une très grande réussite d'avoir réussi à convaincre les syndicats, les églises, les mouvements de jeunes sur la pertinence d'un réseau contre l'apartheid. Et aujourd'hui, quand je regarde tout ça et en épluchant tous les dossiers empoussiérés que j'avais gardés, c'est comme si ces 20 ans, en fait, je les ai pas sentis passer. Ils ont passé extrêmement vite. Ça m'a permis de connaître le Québec, le Canada en profondeur, de visiter des coins les plus reculés, de frayer parmi des personnalités. Et une grande partie de ce que je suis devenu est advenu parce que j'ai développé cette expérience de réseautage et de sans probablement sans cette lutte, je ne serais pas devenu celui que je suis. Donc, par exemple, un exemple simple, peu de temps, lorsque Thomas Sankara se fait assassiner, ben, les stratégies anti-apartheid me permettent de proposer à notre groupe de se lancer dans ce travail contre l'impunité et de former un collectif d'avocats qui, depuis 20 ans, poursuit la France et l'actuel régime. Et c'est grâce à la lutte contre l'apartheid que cette expérience-là a pu être fructifiée. Donc, c'est vraiment le moment de rendre hommage à des gens, il y a plein de gens qui, dans l'anonymat des foules, hein, ont soutenu cette lutte. Il faut comprendre ce que ça voulait dire. À ce moment, c'est les vins sud-africains, les pommes, les diamants, l'or, les vols de tourisme, tout est complètement imbriqué avec le Québec et le Canada.
et les universités comme McGill. Donc, quand on propose les sanctions, le désinvestissement, on propose une liste de produits. La liste est effarante à l'épicerie. Tous les liens des produits pétroliers, des produits conventionnels, domestiques de tous les jours qu'il faut boycotter pour que l'Afrique du Sud comprenne. Après ça, petit à petit, donc c'est des changements de comportement chez les individus. Et ma chance, c'est que je commence à enseigner très tôt. Donc j'ai pratiquement l'âge de mes étudiants. Et lorsque la reine vient à Rivière-du-Loup, là où j'enseignais à l'époque, mes étudiants, c'était un programme de coopération, fait que c'était des jeunes qui avaient déjà leur bac, ont brandi une grande barrière, une grande bannière contre l'apartheid. Et les gens de la GRC se sont mis autant que les manifestants pour cacher à la reine que sa politique était incorrecte et que l'apartheid devait tomber. Alors ils ont essayé d'aller sur le toit de leur auberge de jeunesse pour le mettre, mais il y avait trop de vent. Et donc ils sont redescendus, mais les journaux avaient croqué l'événement. Et ça montrait que jusqu'à la profondeur des endroits du Québec, il y avait un réveil et que cette politique était finie. Et qu'ils essaient de résister. Malheureusement, la résistance va être terrible. L'apartheid, en agonisant, va vraiment être d'une rare férocité. Beaucoup de nos camarades sont tombés. Il va y avoir des morts inutiles. Il va y avoir des guerres dans toute l'Afrique australe dans cette fin de l'apartheid. Mais c'était des moments extraordinaires. Et ce mouvement contre l'apartheid va se ramifier au niveau international. Le Canada va apporter sa modeste contribution. Sans ça, il est très probable que l'apartheid ne serait pas tombé. Les luttes internes étaient réelles, c'est elles qui ont fait tout le travail, mais sans l'internationalisme du mouvement anti-apartheid international, il est très probable que les choses seraient plus difficiles. Et en même temps, comme vous le savez, l'apartheid économique n'est pas tombé, c'est-à-dire ce que nous avons gagné, c'est une victoire politique. Presque symbolique au début, politique dans les faits. L'apartheid économique est tenace et je crois que le néolibéralisme a en plus aggravé la situation au niveau mondial, créant une sorte d'apartheid global dans la mondialisation qui reste à être définitivement combattu pour changer l'ordre du monde, surtout qu'aujourd'hui nous rentrons dans un mode de production et de consommation qui n'est plus viable écologiquement. Donc tout cela, pour nous, est à la fois très symptomatique que il est dommage que le mouvement contre l'apartheid n'ait pas saisi l'opportunité de poursuivre le travail après la vie politique. Très vite, vous le savez peut-être, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada vont accueillir beaucoup des Afrikaners racistes qui fuient le système, ils fuient avec leurs avoirs, les banques se redéploient, il y a une sorte de chantage. Mandela est trop vieux. Et donc le mouvement anti-apartheid, au lieu de continuer le travail qu'il a fait de façon exemplaire pendant la période des élections, va se déliter, va, du fait de là, en pensant que c'était acquis, des erreurs aussi sur le terrain d'avoir pris une politique technocratique et de la formation d'une bourgeoisie noire. On appelle ça le GAR, c'est-à-dire un plan d'ajustement que le régime Mbeki va instaurer dans la transition entre la fin de Mandela et son régime à lui. Et ça fait partie des erreurs qui vont précipiter la mort, si on peut dire, du mouvement anti-apartheid international, incluant celui du Canada. Et voilà, donc c'est des choses qui, bien sûr, pour nous, ont un goût amer parce que on aurait pu, je crois, consolider à ce moment le mouvement, soutenir la démarche de libération jusqu'à son bout. Mais le rapport de force avait déjà changé. Si vous aviez à définir le mouvement anti-apartheid au Québec en quelques phrases, comment vous le décririez? Ben ce serait un mouvement principalement jeune, avec beaucoup de contradictions, avec une capacité de séduction, je dirais, du public qui allait grandissante, mais qui est restée, je dirais, composite, hétéroclite.
Je suis très mal placé puisque, ayant été un des acteurs et portant une responsabilité historique sur ce que cette chose est aussi devenue, j'essaie d'imaginer ce que ça serait si des gens comme nous n'avions pas été impliqués. C'est-à-dire si un groupe comme le nôtre, par exemple, n'avait pas du tout participé à ça, si on avait laissé les choses se faire. Il est très probable que les choses auraient évolué aussi de toutes les façons, parce qu'il y avait un mouvement. C'est juste que nous sommes arrivés au bon moment historiquement et qu'on a, je crois qu'on a infléchi dans un certain sens, qu'on a peut-être perturbé certaines choses. J'espère qu'on n'a pas gâché les choses, mais je crois qu'on a réussi d'une certaine façon à donner une impulsion, une sorte de fraîcheur à quelque chose. Et vous savez, par exemple, quand je demande le parc Quinte pour que ce soit le parc Mandela, les autorités municipales ne veulent pas trop froisser l'establishment et donc ils nous donnent un parc proche du métro Plamondon parce qu'en fait, à cette période, s'est fait assassiner un jeune. Anthony Griffin, etc. C'est l'affaire Gossett, un policier qui tire sur un jeune noir, etc. Donc il règle un problème de racialisation en nous donnant ce parc. Et le parc à l'époque s'appelait Nelson et Winnie Mandela. Donc bon, pour moi, c'était quand même aussi une petite victoire. On avait quand même travaillé très fort. Quand Winnie Mandela, dans ce travail post-apartheid, commence à avoir des problèmes, parce que c'est la branche radicale, alors, ils enlèvent le nom Winnie du parc et ça devient juste le parc Nelson Mandela. Donc, c'est des petites choses comme ça qui caractérisent le fait que nous ne sommes pas relativement forts pour imposer clairement nos vues hein, jusqu'au bout du processus. Mais en même temps, qu'est-ce que vous voulez? Je pense que c'est plutôt la portion d'introspection. Je crois que la grande victoire du mouvement anti-apartheid ici, c'est d'avoir fait prendre conscience de la nature ambiguë du Québec et du Canada, parce que c'est le mouvement anti-apartheid qui amène des couvertures et des vivres aux événements de Kanasetake, de Kanawake. C'est nous, c'est avec les Joe Norton et compliqué. Et on montre que oui, il y a des liens, que le système d'apartheid, il est ici, et qu'il faut que ça change, que cette condition amérindienne ne peut pas rester infiniment. On ne peut pas prôner ça ailleurs et garder un système d'Indiens sans statut, Indiens inscrits, tout ce système auquel les Indiens eux-mêmes se réfèrent parce qu'ils sont dans l'aliénation, comme dans les Bantoustans, les Africains aussi le reconnaissaient. Donc oui, quelque part, je crois que ça a aidé à la maturation au sein de formations politiques. Je revois les rencontres avec Ed Broadbent, Warren Allman, Conrad Sioui, c'est toute une époque hein, de gens qui ont, je crois, utilisé la lutte contre l'apartheid pour prendre la pleine mesure de la complexité de la société canadienne qui devait changer. Et ensuite, bon, on a eu Mitch, on a eu toutes sortes de déchirements, mais on a contribué d'une certaine façon à la maturation, je crois, de ce pays-là, ici même. Je pense que ça a plus servi l'éveil de la conscience au Canada-Québec qu'en Afrique du Sud. Prenons une pause de quelques minutes, si vous Oui, voulez. Il y a les oui. salles de bain juste ici. Très bien. Aussi contrôler le son. Je pense que c'est le bord là. Ils sont, j'en ai reconnu deux là. Peut-être, oui, hein. Je vais aller à la salle de bain rapidement. Use the restroom quickly. Thank you. Okay. This is such Okay. Oui, ok. Est-ce qu'on peut parler du quotidien de cet engagement? Vous parliez un peu plus tôt de plus de 20 ans d'engagement. Qu'est-ce que ça voulait dire dans votre quotidien? Est-ce que vous arriviez à vivre de cet engagement-là? Est-ce que vous aviez d'autres engagements ailleurs et comment? Comment, à quoi ressemblait votre vie? Ben, un peu comme l'a fait remarquer mon ancienne épouse, en fait, on est un peu plus marié à la cause qu'à elle-même. Donc, quelque part, malgré le fait que je considère avoir été quand même un père et
mari plutôt, je dirais pas modèle, mais en tout cas dans ce qui se faisait à l'époque. Effectivement, lorsqu'on est militant, le temps n'a plus la même importance. Il y a une flexibilité qui fait que bon, vous vous investissez, vous allez coller des affiches à moins 20, vous mettez votre propre argent pour les causes auxquelles vous croyez, vous mettez votre propre vie, votre temps, vous acceptez une frugalité. Et c'est sûr que s'il y a en plus à cela des principes assez rigides sur l'intégrité, la justice sociale, etc., en fait, vous refusez les formes de compromission qui sont toujours là, parce qu'on cherche à vous attirer, on veut vous amener dans tel board, on veut vous soudoyer, en fait, moralement, vous éloigner de votre piste. Donc, il se crée une sorte de rigueur qui peut amener un comportement chez certains qui peuvent être sectaires, donc ils se tiennent juste entre eux, etc. Donc il y a un enfermement du militant qui, comme il est en plus à contre-courant et qui refuse sa marginalité, mais finit tôt ou tard par l'accepter. Donc moi, ça m'a mis du temps à accepter la marginalité, d'être à contre-courant du monde, d'avoir une pensée différente, etc. J'ai longtemps essayé de chercher mes semblables, les gens avec qui on a des affinités. Et donc c'est clair que quelque part, cette vie au quotidien, on met un temps, même si on l'aime, on met un temps à la vivre. Aujourd'hui, finalement, quelque part, c'est plus ma notoriété. Mais je suis toujours aussi pauvre, j'ai pas de biens matériels, donc c'est des choix de vie. Notre groupe, en plus, a été sur un de ses principes basé sur le développement autocentré, c'est-à-dire qu'on doit compter sur nos propres forces. Donc, nous n'avons jamais ni sollicité de fonds, ni accepté de fonds. Ça nous a donc donné une marge de liberté que la plupart des autres groupes n'avaient pas. Donc, d'avoir un franc-parler, un côté directif, que certains ont peut-être cru sectaire, mais justement, nous étions ouverts à tout le monde qui pouvait rentrer ou sortir de notre organisation. Nous avons survécu, ce que la plupart des organisations, entre-temps, elles sont mortes, il faut le rappeler, la plupart. Le Grilla a survécu sans moyens et a plutôt grandi que devenu plus petit. Donc, il a rhizomé des sections. Bon, le mérite en revient en fait aux ressources humaines, c'est-à-dire que je crois que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que ces choses-là n'ont pas de prix, ça n'a que de la valeur. Vous ne pouvez pas les monnayer. S'il fallait monnayer un temps de travail, le temps que vous donnez à une vie militante, les sacrifices consentis, matériellement, ce serait une fortune. Or, la conception que nous avons est vraiment basée sur la valeur d'usage, sur le fait que nous avons un bien commun à défendre, que le savoir, les choses pour lesquelles nous luttons sont des éléments du bien commun de l'humanité et que ça, ce n'est pas monnayable. Vous ne pouvez pas payer des gens pour être militants. Et je répugne à penser que des gens l'utilisent d'ailleurs pour devoir être payés. Maintenant, bien sûr, c'est créé tout un univers de la coopération internationale qui a vécu de la solidarité. C'est-à-dire, quelque part, tout en étant sévère, c'est comme si ces organismes-là vivent de nos misères. Si nos misères n'existaient pas, il faudrait qu'elles les entretiennent pour continuer à exister. Ce qui crée des formes de dépendance, ce qui nous amène pour nous à une critique de la coopération internationale, qu'il faut le rappeler au Canada, est un pays clé. C'est Pearson qui propose 0,7% de l'aide publique au développement. Le Canada, comme tous les pays de l'OCDE, ne s'en sont même pas approchés de la moitié, ou quand ça, ils s'en approchent, ils régressent. Et cette coopération sert les intérêts stratégiques des pays donateurs. Donc le réseau des ONG sont devenus des appendices des politiques extérieures des pays de l'OCDE et ils ont beaucoup de mal à se démarquer. Et lorsque vous démarquez complètement, ben, il faut aller chercher dans le public le financement. Et ça, c'est difficile. Et lorsqu'on vous finance, il y a des conditions. Donc nous avons eu la chance, l'opportunité, mais en même temps, ça réduit notre marge de manœuvre de travail, d'être indépendant et financièrement, c'est nous-mêmes qui avons financé nos propres efforts. Donc, d'un point de vue individuel, c'est vrai que c'est lourd. Donc, mais j'ai eu la chance d'avoir une compagne ouverte quand même assez d'esprit, même si à la fin ça a été difficile pour elle probablement.
Elle a fait le bon choix d'ailleurs de me quitter, et probablement ça doit faire partie des causes, mais je crois que je ne peux que rendre hommage au fait que, d'un point de vue existentiel, elle a eu à endurer des sacrifices quotidiens, mes propres enfants, qui ont aussi vécu dans un système de paranoïa, parce que plus tard, avec cette affaire de lutte contre l'impunité, ils se font menacer de mort, donc j'ai une couverture de la GRC, j'ai eu à poursuivre, en fait, à aggraver la situation que j'avais dans la lutte contre l'apartheid. Ma défense des droits humains a exposé ma vie, mais c'est un choix. Mais ça suppose des comportements, des formes presque de paranoïa, de protection, parce qu'on lutte contre des intérêts puissants qui, d'une chiquenaude, pourraient nous faire disparaître, et qui ne le font probablement pas parce que, en fait, ce serait contre-productif. Parce qu'entre-temps, nos sacrifices et nos luttes nous ont amené une sorte de notoriété. Et donc, un accident serait constamment enquêté pour voir est-ce que c'est un accident. Et ça, c'est, je crois, par la force de nos propres convictions qu'on a obtenu ce statut-là, qui n'est pas une forme d'invulnérabilité, mais c'est juste pour vous dire que c'est quand même des sacrifices quotidiens qui viennent très vite changer votre façon de vivre et qui en font littéralement un mode de vie. Donc, les réflexes de protection, la façon par laquelle vous vivez, les gens qui se lient à vous, qui vous fuient parce que votre mode de vie commence à être dangereux, il y a un tri qui se fait au niveau même de vos amis, qui se tient avec vous. Au niveau académique, c'est à peu près la même chose, c'est que la portion militante étant trop proche de l'univers académique, vous perdez une sorte d'objectivité scientifique. Moi, j'assume dans mes cours que une position un peu gramscienne, que l'intellectuel, parce que pour moi tout le monde est intellectuel, mais que l'intellectuel organique, celui qui a pris le choix idéologique de soutenir ceux qui ne savent pas, ceux qui ne peuvent pas, qui veulent la justice sociale et un autre monde, c'est un choix, et je crois que c'est à ça que normalement mon apprentissage politique m'a amené. Donc je mêle ma vie académique et militante comme s'il n'en formait qu'une. Mon objectivité scientifique, c'est dans le sens que oui, l'histoire, vous la revivez si vous ne la connaissez pas. Et cette histoire-là, c'est l'histoire des vainqueurs et il faut qu'elle change. Donc oui, je fais partie effectivement de cette catégorie de scientifiques qui ont pris parti par ce qu'on appelle un engagement. Et donc je l'assume, j'ai mis du temps peut-être à le maturer, mais au fond, je le vivais confusément. Là, maintenant, c'est très clair. Et bon, voilà, j'ai la chance d'être invité maintenant partout. Les gens, je suis même toujours surpris, les gens m'écoutent, les salles sont combles, les gens regardent mes vidéos. Oui, et ça, c'est parce que j'ai en fait donné ma vie à ça. Et donc, je ne commence qu'à récolter les dividendes d'une forme de sagesse militante dans un moment où, et c'est ça qui est paradoxal, on a assisté exactement au contraire, c'est-à-dire à la dépolitisation d'une grande partie des générations. Donc ceux qui ont, disons, 35 ans et moins aujourd'hui font partie des victimes de la dépolitisation de l'ère néolibérale, où au nom de la political correctness, au nom de la façon de s'impliquer par les médiums de communication qui aseptisent, qui dépolitisent, qui donnent l'impression de participer alors que c'est très virtuel, eh bien, c'était un contre-courant pour nous. C'est-à-dire que nous, on a eu la chance de la politisation, mais on voit comment petit à petit les gens sont en fait de plus en plus dépolitisés. Et donc on se retrouve un peu comme des dinosaures du XXe siècle qui vivons au XXIe siècle et qui utilisons les moyens technologiques. Donc bon, j'ai mon compte Twitter, j'ai pas Facebook parce que je crois que c'est un instrument d'intrusion dans mon activité, mais j'utilise tous les médiums de communication, sachant pertinemment que ils sont d'abord l'apanage, l'outil des forces contre lesquelles je lutte, qui sont principalement les firmes transnationales, l'ordre qu'on appelle plutocratique, c'est-à-dire une catégorie d'oligarques qui, à travers le monde, incluant les pays africains, maintiennent un système de développement qui est complètement prédateur, qui détruit les relations sociales, qui détruit l'environnement, et qui, pour les Africains, veut l'Afrique sans les Africains, l'Afrique des ressources.
et qui veut la militarisation. Donc, c'est sûr que si la démarche conséquente d'un travail contre l'apartheid qui m'a amené à cela persiste, c'est parce que j'y crois profondément et que je suis prêt à mettre ma vie dans la balance. Et donc, il y a un prix, oui, il y a un prix là-dessus que je vis quotidiennement, mais complètement sereinement. Et c'est ce qui explique justement que les gens, quand vous réussissez, ils se posent toujours la question de savoir, mais qui c'est qui est derrière? Par exemple, là, je m'interpose contre les bases militaires, mais pour eux, on est payé par d'obscurs intérêts qui ils ne pourraient pas s'expliquer qu'on puisse faire des films, qu'on puisse voyager, etc. Mais non, c'est le militantisme des sociétés civiles du monde entier. On est beaucoup plus nombreux, il y a beaucoup plus de gens comme moi, de par le monde, qui veulent que leur voix soit entendue, des écologistes, des pacifiques, des féministes. Des gens qui, un peu comme vous, s'intéressent à nos conditions, mais ce sont ces mêmes gens-là qui nous invitent et qui font qu'on continue de faire ce travail. Et l'humanité a toujours été ainsi constituée. Et comme je l'ai dit, ici, l'histoire doit être réécrite. Et nous essayons de participer à l'édification de cette histoire. Aujourd'hui, malheureusement, nous rentrons dans une phase où le militantisme doit être découvert. Moi, je propose des concepts. Je propose le concept de trans-internationalisme qui explique en fait que si des gens comme Norman Bethune, dont mon organisation fait la promotion, ont existé, si ces gens sont allés en Espagne pour défendre la République, c'est parce qu'il y a un fascisme mou qui revient aujourd'hui et que l'État lui-même a été dépassé par des nouvelles formes transnationales qui l'assiègent, qui changent les relations internationales et qu'il faut redécouvrir l'internationalisme au XXIe siècle. Donc pour moi, il est important que, autant on a lutté contre l'apartheid, qu'on redécouvre les valeurs fondamentales de pourquoi on a lutté contre l'apartheid. C'est pas l'internationalisme. Mais cet internationalisme qui était tout simplement prolétarien doit être agrandi pour qu'on saisisse véritablement que ce que nous avons en commun d'abord, c'est défendre les espaces qui n'ont pas été privatisés, donc les commons. Et c'est commun de l'humanité, c'est bien public. J'aime pas beaucoup utiliser le mot bien parce qu'à ce moment c'est privatisable, mais c'est bien public une fois qu'ils sont défendus par l'unanimité des gens qui veulent les défendre, que ce soit l'eau, les gènes, l'air, les semences, etc. vont nous permettre de cristalliser cet effort et d'aller à une étape supérieure pour défendre nos services sociaux, nos systèmes d'éducation, de santé et notre écologie en menace. Donc, c'est pourquoi je propose le transinternationalisme. Et quand cette semaine, on est rentré de Bandung à la conférence des non-alignés, les intellectuels de gauche du Sud, mais on s'est retrouvé un peu dans la même ambiance du mouvement contre l'apartheid, parce que là étaient tous les pays qui sont rentrés en phase de décolonisation, qui maintenant se retrouvent dans cette situation d'être des pays émergents ou qui ont été gardés dans l'ancienne division du travail, et qui voient le monde du XXIe siècle s'accélérer dans une spirale guerrière, sécuritaire, avec le même type de développement qui n'est pas viable. Donc à ce moment, moi, j'ai prôné une fois de plus que ce monde qui était non aligné doit maintenant changer pour devenir aligné sur l'internationalisme, et ce que j'appelle donc le transinternationalisme. Et la lutte antiraciste en est le moteur, parce que si vous considérez qu'il n'y a qu'un être humain et qu'il n'y a pas de hiérarchie entre lui et qu'il est vulnérable et que le système de richesse impose un rythme impossible à tenir et qu'il y a une grande supercherie, parce que pour être riche, il faut appartenir à 2% de l'humanité. Mais on n'explique pas comment ces 2% sont riches. C'est quoi l'apartheid global? Pour appartenir à ce 2%, il faut tout simplement avoir 2 200 dollars US sans dette, en biens, en matériel ou en avoir. Si vous avez des dettes, si vous avez des crédits, vous n'en faites pas partie. Et si vous avez 500 000, vous faites partie d'un cercle restreint de 37 millions d'individus. Et l'envers du décor, c'est 50% de l'humanité qui doit partager 2% des avoirs du monde entier. Ça, c'est le patrimoine réel des ménages. C'est la véritable image
de la mondialisation dans laquelle nous sommes, qu'un véritable apartheid. Donc pour moi, il faut être conséquent. Ce monde n'est pas viable. Ce n'est pas celui dans lequel je souhaiterais que mes enfants grandissent. Et donc, oui, c'est normal que je continue à militer, alors que la plupart de nos camarades ont arrêté. Donc les gens ne comprennent pas, disant, mais pourquoi tu vas pas avoir de retraite, tu n'auras pas de confort, tu n'auras pas de tenure aux universités, parce que tes positions objectives te mettent à contre-courant. Mais comme je l'explique, au contraire, moi je me sens extrêmement chanceux. Moi je me sens heureux, je me sens complètement heureux parce que je considère que je suis du bon côté de l'histoire, au contraire. Et je n'ai pas ces besoins matériels, donc j'ai une grande chance. Je vieillis même probablement moins vite. Beaucoup de gens ne comprennent pas que j'ai pu participer à ces luttes-là. J'y ai vraiment participé. L'illusion de l'enveloppe physique vient du fait que oui, je suis heureux de cette vie militante. Je suis heureux de voir que des jeunes aujourd'hui me prennent comme modèle et me demandent quoi faire. Donc c'est extraordinaire comme achievement. Je pourrais mourir aujourd'hui. Mon narcissisme, mon orgueil est flatté, mais j'aimerais continuer à participer à cette œuvre. J'aimerais continuer à affiner ma pensée à ce qu'un panafricanisme arrive. Donc, par exemple, j'aimerais que la fin de l'apartheid économique conduise à la construction d'un État confédéral africain. Pour moi, tout cela, je l'ai fait parce qu'il faut qu'on ait un État confédéral panafricain. Donc le jour où il y aura les États-Unis des pays d'Afrique, pour moi, oui, ce serait peut-être le moment enfin de considérer que j'ai participé à cela. Mais jusqu'à présent, je n'ai amené que modestement une petite contribution à cela. Et c'est ce qui explique que j'étudie l'égyptologie, que je fais des choses qui ont l'air complètement dépareillées. C'est parce que ça forme un tout. C'est ça qui fait l'engagement. Ce qu'on appelle vulgairement un militant, pour moi, c'est tout simplement un engagement humain. Et si les gens font la même chose, je suis sûr que l'humanité changerait. Malheureusement, les gens font exactement le contraire, c'est-à-dire sont pris par l'engrenage de l'hégémonie du système global qui crée l'individualisme. Et cet individualisme, il parcellise les individus, il ne leur permet pas de comprendre la complexité. Et il les dessaisit de leur pouvoir de citoyen, il les transforme en usagers consommateurs. Et à ce moment, ben, ils perdent toute substance. Et ils ne comprennent pas des gens comme nous. C'est-à-dire pour la plupart des gens, effectivement, nous sommes des anomalies, des sortes de dinosaures. Ils comprennent pas qu'on puisse vivre en fait d'une vie militante. Mais c'est tout à fait possible. Et même on s'en porte très bien. Quel était, vous parlez des difficultés, des défis de cette vie-là. Quel était, dans le cours des choses, peut-être dans les moments les plus difficiles, les personnes, les leaders qui sont demeurés pour vous des sources d'inspiration? Est-ce qu'il y avait une personne ou des personnes qui pour vous demeuraient de grandes sources d'inspiration malgré toutes les difficultés ou les déceptions de l'engagement de la militance au quotidien? Vous voulez dire des gens qui vivent encore ou des gens... Oui, ben, il y a... Vous savez, l'Afrique est une portion du monde où nous avons un cortège de martyrs. Hein. Donc nous avons plein de modèles de gens extraordinaires comme Amilcar Cabral, comme Thomas Sankara, Frantz Fanon, Chris Hani en Afrique du Sud, Nelson Mandela et Samora Machel. Donc nous avons un panthéon riche de modèles qui eux-mêmes s'articulent sur des modèles plus complexes, qui ne sont pas forcément africains, qui ont permis les lumières de la modernité. Mais comme j'ai une démarche très holistique, je considère que la modernité, en fait, elle n'est toujours pas arrivée, elle est devant. C'est-à-dire que ma conception veut que si on regarde les choses avec humilité, dans l'Antiquité, il y avait des gens qu'on peut tout aussi bien admirer, pour moi, sont des modèles.
parce qu'ils avaient la modernité, ils avaient une conception des droits sociaux, économiques. Et... Sauf que par eurocentrisme, on les exclut de l'histoire. Et pour nous, c'est important d'étudier l'égyptologie, des gens comme Imhotep, par exemple, ou des savants chinois ou indiens. Donc, j'ai une approche assez holistique qui fait que, par ouverture d'esprit, je vais aller chercher, pas seulement dans des icônes comme on le fait en général, mais aussi dans les sagesses populaires et dans la vitalité des peuples. Donc pour moi, c'est pas l'empereur des Incas, c'est la culture Inca que je vais regarder. C'est sûr que la façon par laquelle on retient l'histoire va faire qu'on va cristalliser sur un individu. Ce qui pour moi d'ailleurs fait partie du problème parce que souvent on assassine l'individu, c'est la fin de l'histoire. Ce qui moi me préoccupe, c'est la vitalité des peuples à résister et à créer. Et à ce moment, effectivement, en tout cas dans mon cas, ça m'ouvre complètement les perspectives et ça fait que j'ai pas une approche, comment dire, de personnification du savoir. Et en même temps, j'ai beaucoup d'emblèmes de gens qui m'ont servi, sans lesquels je n'existerais pas. Donc, Polanyi, Marx, Samir Amin, Gandhi, Kierkegaard. J'ai donc une panoplie de penseurs. Je dirige un centre où il y a des milliers de livres qui sont tous en fait des modèles qu'on essaie d'inculquer aux jeunes. Mais comme je l'ai dit, en même temps, j'évite de rentrer dans cette forme de personnification, car eux-mêmes sont le produit de plusieurs. Et donc, ce que je crois qui est merveilleux, c'est en fait la capacité de syncrétisme, d'être soi-même une sorte de reflet de plein d'apports, et c'est comme un témoin, puis de donner la chance de faire connaître cette panoplie. C'est un peu comme si, je dirais, en peinture, ben, vous avez des couleurs fondamentales, mais vous créez diversité de palettes infiniment qui sont inimaginables autrement, mais que les deux couleurs fondamentales, le noir et le blanc, qui sont au cœur même de la distribution des autres, c'est vraiment ça qui anime finalement. Donc c'est cet aspect à la fois un mélange entre la complexité et la grande simplicité qui fait que autant je vais aduler des gens bien simples, et c'est mon côté romantique, donc je vais m'arrêter sur la simplicité d'individus, parfois dans leur dénuement, dans leur fragilité, et pour moi, le fait qu'ils résistent, qu'ils continuent d'exister, soit parce que leur culture ou leur condition physique auraient dû faire le contraire, pour moi, ils méritent un intérêt encore plus grand que ceux qui sont déjà dans la notoriété que tout le monde connaît. Donc ça m'amène effectivement à regarder les êtres humains en général dans leur complexité et de m'inscrire comme un maillon de cette chaîne de fourmis. Ouais. Justement, souvent quand on parle du mouvement anti-apartheid, les gens vont peut-être avoir une reconnaissance pour une personne et cette personne sera probablement Mandela. Mais quand vous parliez justement de cet accent sur l'individu ou sur le caractère exceptionnel d'un individu, qu'en fait on devrait s'attarder plus à la complexité, aux résistances populaires, au mouvement, quel genre de regard différent cette perspective-là amène sur la réflexion sur la résistance contre l'apartheid? Quel genre de, si vous aviez à formuler en quelques phrases, quel genre de perspective différente? De quoi on parle si on regarde les choses un peu différemment? Ben, c'est très intéressant. Par exemple, à ce moment, on ne voit pas Mandela, on voit d'abord Madiba, on voit le mélange entre un aristocrate, quelqu'un comme moi, qui est venu d'un système complexe, typiquement africain, qui vit la colonisation puis la ségrégation, qui a des principes, qui est partagé entre des valeurs socialisantes, mais aussi des valeurs nobiliaires.
qui, du fait de ses principes, refuse la compromission, donc est très rapidement placé dans une position objective. L'histoire le met, on aurait pu le tuer, en ne le tuant pas, on a produit exactement le contraire, et donc il y en a eu d'autres comme lui qui, eux, hélas, ne vont pas connaître leur destin. Et à ce moment, vous, ça vous permet de relativiser, de voir que c'est des êtres humains avec leur complexité, leurs contradictions, de s'intéresser à d'autres qui ont préféré d'être derrière la lumière, comme par exemple Chris Annie, qui est probablement méconnu, mais qui aurait dû prendre la place de Nelson Mandela, qui vit en clandestinité, qui organise toute la résistance contre le système d'apartheid. Nous, au début, Chris Annie, on pense en fait qu'il s'agit d'un blanc, on ne sait même pas que c'est un Africain, jusqu'à ce qu'on l'identifie plus tard. Et Chris Annie va réduire la surveillance paranoïaque qu'il avait sur sa propre condition quand il rentre finalement chez lui. Et un matin, il va faire son jogging et il dit à sa fille, je pars et je reviens. Et les Sud-Africains, qui étaient contre la perspective qu'il y ait une radicalisation de ce mouvement, vont comploter pour l'assassiner. Ils vont prendre un réfugié polonais, lui donner la nationalité. Ce gars avait une hit list, donc plusieurs autres chefs, comme Joe Slovo, comme Root First. Donc il existait plein de gens dans la résistance qui, pour moi, symbolisent. Incarne, donc c'était une sorte de multi-tête. Donc autant des gens comme Ducey September que Root First, que les gens les plus anonymes de la lutte, hein, les petits foot soldiers qui luttent confusément parce que c'est juste des mineurs, c'est juste des gens qui comprennent que le système n'est pas viable. Donc j'ai un intérêt. C'est comme si la lutte contre l'apartheid était en fait multifonctionnelle, avec différents visages qui peuvent apparaître sous les traits d'un chef anglican comme Bishop ou Tutu, et tout d'un coup incarner Winnie Mandela, Chris Annie ou Samora Machel, qui est un autre chef incroyable. Et comme j'ai une vision complètement différente de la plupart de nos camarades. Pour moi, par exemple, le rôle méconnu des Cubains dans la lutte contre l'apartheid, sans les Cubains, l'apartheid ne serait pas tombé. Ce sont les Cubains qui, en battant l'armée sud-africaine à Guadalcanal, c'est toute l'histoire du mouvement angolais de résistance, c'est Agostinho Neto, c'est Nito Alves, c'est plein de camarades. Donc pour moi, ces visages-là sont comme en fait un seul et même visage qui, selon les réalités historiques, se décompose. Au-delà de l'admiration, je me rends compte qu'il s'agit de singularités, mais d'une même réalité. Et donc, nous, on les utilise comme modèles parce qu'on aimerait que ces gens et ces causes triomphent. Donc, c'est pour ça qu'on relativise et qu'on refuse d'aduler ces personnes-là. Et ça nous permet une certaine distance, hein, et je crois, une objectivité dans la lutte. Qu'il faut évidemment refuser la personnification emblématique qui vient aggraver souvent les problèmes. Et le système est fait ainsi, c'est qu'on vous met devant, on vous propulse, malgré vos contradictions et du fait de vos contradictions. On s'étonne que des gens comme nous n'adulions pas ces personnes-là. Pour moi, c'est des personnes comme tout le monde. C'est juste qu'elles ont choisi, et en choisissant, elles se retrouvent à un moment historique propulsées. Certaines sont plus narcissiques que d'autres, mais il est très probable que c'est l'histoire. L'histoire en retient quelques-uns, oublie les autres, c'est injuste, mais c'est comme ça. Et donc les plus emblématiques restent dans l'eau, c'est eux qui incarnent tout le mouvement. Donc c'est sûr que quand vous mettez Mandela, ben, vous effacez Govan Mbeki, vous effacez Sisulu, Steven Biko et compagnie, mais parce qu'il incarne à lui seul cette figure. Mais on peut très bien comprendre la lutte anti-apartheid sans même penser à lui. On peut penser juste à Gandhi, qui n'aurait pas fait les vieux os. S'il était resté, probablement il aurait été tué. Mais il est allé chercher sa notoriété, non pas en Afrique du Sud, là où historiquement il aurait pu être, mais en Inde. Et en Inde, il aurait pu disparaître dans les méandres de l'histoire, mais non.
son passage va être salutaire et c'est lui qu'on va retenir jusqu'à aujourd'hui. Donc, quand vous pensez l'Inde, vous voyez Gandhi et Nehru, comme si les autres n'avaient pas. Donc, ça, c'est la propension qu'on a de l'iconographie d'individus qui incarnent et qui doivent être emblématiques. Donc, j'essaye toujours de rester un peu, si je peux dire, à distance, tout en reconnaissant leur legs, mais je préfère scanner de façon holistique. Plus tôt, vous avez mentionné deux fois une militante du 6 septembre, je crois. Est-ce que vous pouvez nous raconter son histoire? Voilà, alors, Ducey September est une dame qui est envoyée comme la représentante de l'ANC en France. Alors, elle est toute délicate, toute raffinée, pacifique pratiquement, répugne vraiment à la ligne de la lutte armée. Son raffinement diplomatique l'amène très vite à déployer une politique très active. Il y a très peu de femmes dans cet univers-là, à ces hauts lieux, et donc elle arrive effectivement à canaliser des pans entiers. Il faut dire que le mouvement anti-apartheid français est un mouvement qui se dit apolitique. Et donc la question de savoir très vite vers qui ça va pencher. D'ailleurs, quand elle se fait assassiner, son remplaçant, qui est plus proche du Parti communiste français, a des propensions à laisser la lutte du mouvement au Parti communiste français, ce qui évidemment va provoquer beaucoup de problèmes au sein de ce mouvement, mais elle va réussir effectivement à faire un travail de surface diplomatique et de rayonnement très très fort, mais aussi va commencer de façon incisive à débusquer tous les réseaux qui liaient les services français, la France aux intérêts sud-africains, ce que évidemment la France ne voulait jamais que ça se sache. Les intérêts britanniques. Et c'est une personne qui a été absolument essentielle dans l'édification du mouvement anti-apartheid international. Et elle se fera lâchement assassiner. Je vous montrerai d'ailleurs les lettres qu'on a à ce sujet. Et à ce moment, on a commencé à demander une protection rapprochée pour Youssouf Saloudji, qui était le représentant de l'ANC ici, qui à cette époque n'est pas reconnu du tout. Et n'oubliez pas, l'ANC est considérée comme une organisation terroriste pour l'époque. Et quand vous trouvez que le mouvement au Québec, au Canada, se compare avec les autres mouvements forts, comme en Grande-Bretagne ou ailleurs dans le monde, comment se compare l'histoire du mouvement au Canada internationalement? C'est vrai qu'on a eu une conjoncture, hein. Cette conjoncture, ben une double conjoncture. La première, c'est que le pays lui-même sert de matrice à l'édification de l'apartheid. Donc c'est clair que le modèle canadien est transposé. Ça nous donne un avantage comparatif que les autres n'ont pas. Les gens ignorent probablement que beaucoup des gens qui se sont engagés dans la guerre des Boers et qui sont allés avec l'Angleterre, les premières implications canadiennes sur le sol africain, il y avait aussi une catégorie qui refusait l'engagement aux côtés des troupes britanniques et qui faisait partie des rebelles du Haut-Canada. Et donc l'histoire britannique telle qu'elle est racontée, l'histoire canadienne, il y a aussi une autre histoire de franco-canadiens principalement qui refusaient d'appartenir à ce système de dominion qui se mettait en place et qui s'identifiait paradoxalement aux petits paysans africaneurs, non pas parce qu'ils étaient pour ce qui serait l'apartheid, mais parce qu'ils étaient contre l'establishment. Donc il y a déjà, je crois, un prisme qui fait que le Canada est dans une position enviable pour ce qui est l'édification d'un mouvement. Mais du fait que le mouvement syndical a été relativement brisé et que la résistance des forces de gauche dans le pays était quand même plutôt parcellaire, ce mouvement va être à la traîne par rapport aux autres. Mais là-dessus, il faut quand même relativiser, parce qu'il faut rappeler l'épisode des MacPapes qui va à la guerre d'Espagne. Donc vous avez un 1400 internationalistes canadiens qui vont là. Donc il y a quand même un potentiel que ce pays a dans ce qui est l'édification d'un système internationaliste. Donc ça, c'est des acquis historiques,
qui vont créer, si vous voulez, la trame d'une possibilité d'un mouvement. Et le deuxième, c'est effectivement la conjoncture assez paradoxale où l'ère Trudeau, l'ère Pearson et l'ère Trudeau ouvrent l'atlantisme, une politique un peu internationaliste, solidaire, et que ceci est récolté par le jeune parti conservateur qui arrive au pouvoir et qui en fait un de ses éléments de politique extérieure, hein, from nowhere. Et effectivement, ça, comme ces deux moments qui sont des moments institutionnels du pays, vont beaucoup aider. Par contre, il y a dans les années 80, du fait de la question de la dette, du fait de la question de la décolonisation, du fait de la crise des ONG au Québec, Canada, avec l'ACDI, etc., l'instrumentalisation de l'aide, il va y avoir très vite des ramifications qui vont se faire avec l'Europe, avec l'Amérique, dans les franges les plus radicales, les vestiges des formations politiques cachées, des trotskistes, des pro-maoïstes, qui avaient déjà eu d'autres luttes. La question palestinienne, le lien entre le sionisme et l'apartheid, les différentes luttes de libération en Afrique australe. Donc tout cela va faire que le mouvement canadien va aussi très vite tisser des liens avec ses homologues, ses partenaires plus puissants, mieux organisés, ceux d'Angleterre, des États-Unis, de France, de Hollande. Mais aussi, on va se retrouver, nous, par exemple, à avoir des liens avec le mouvement anti-apartheid japonais. Camarade Makoto Katsumata et bien d'autres. Donc oui, c'est fascinant de voir comment nous étions unis sur la planète et le Canada va amener sa modeste contribution, je dirais pas comme rôle moteur, mais quand même non négligeable à partir du moment où le Commonwealth est devenu la rampe du mouvement. Donc à ce moment, du coup, on s'est retrouvé propulsé, reconnu, invité avec un rôle de plus en plus moteur. Et il faut aussi dire qu'on avait un activisme, donc les sections de l'ANC, les liens directement avec la résistance à l'interne, les mouvements de jeunes, de femmes, les syndicats, ça a donné un dynamisme à la section canadienne, aux sections canadiennes. Est-ce que dans l'expérience canadienne, dans votre expérience de militantisme, est-ce que vous avez des expériences marquantes de lutter contre le racisme à l'interne au Canada dans cette expérience-là? Bon, le racisme, vous savez, c'est un truc assez paradoxal. Les gens qui sont racistes, quand vous voyez, quand vous êtes confronté d'un point de vue individuel à des gens qui sont racistes et que vous êtes vous-même libéré, vous vivez ce racisme de façon moins frontale. Parce qu'en fait, ils vous craignent. Ils savent qu'il n'y a pas d'emprise sur vous. Vous n'avez pas de complexe. Vous ne les regardez pas d'un air supérieur. C'est juste qu'il n'y a pas d'emprise. Donc, en fait, vous désarmez, vous désamorcez déjà une grande partie. C'est-à-dire que le racisme, il peut être cultivé lorsque, je justifie pas, mais en tout cas dans mon cas, mon expérience à moi, lorsque les gens qui sont racistes et qui sont autour de vous sont en votre présence et que vous n'avez pas de prégnance, ils n'ont pas de prise, no grip. Et donc c'est déjà très désamorçant pour leur attitude. Si vous êtes plus ou moins insensible à cela, ça vous permet effectivement de vous aventurer, y compris dans des endroits qui, en principe, ne seront pas votre état. Et comme vous le faites en plus de façon frondeuse, parce que vous êtes en mission, vous êtes en mission, vous comprenez, vous allez effrayer exactement là où les gens ne veulent pas que vous soyez. Ça vous donne un avantage. Parce que eux savent que ce n'est pas votre place. Alors que vous revendiquez votre place, mais avec une sorte de force tranquille qui les désamorce. Parce qu'ils sont habitués à des gens qui ont ou peur d'eux, ou qui sont dans une position de confrontation immédiate. Alors vous arrivez comme une force tranquille. Et à ce moment, c'est clair qu'ils n'ont pas ni d'arguments scientifiques, ni de... Cette démarche, elle a été vraiment dans la ligne de tout. Ce qui fait que, paradoxalement, ben, moi, j'ai pas été victime de racisme. Curieusement, j'ai pu naviguer, je le voyais.
Mais d'un point de vue personnel, ça a ricoché comme sur le dos d'un canard parce que ça n'a pas eu de prise. Et je crois que une bonne partie de l'individualité personnelle peut aider à ce que ça crée pas une innocuité. Le racisme sera toujours ambiant, mais il n'a pas d'emprise. Donc ça nous a jamais empêchés de travailler, mais on le voyait. On le voit jusqu'à aujourd'hui. C'est des choses qui persistent, y compris dans nos rangs. En fait, il y a même parmi les gens qui vous exhibent parce que toi, tu es différent, mais ils n'aiment pas les autres, etc. Et il faut le rappeler, il n'y avait pas beaucoup d'Africains dits de souche dans le mouvement. Donc, nous, on n'était pas des Africains de service. On ne tenait pas le discours qu'on voulait que les Africains tiennent. On avait un discours complètement antisystémique. Et qui n'était justement pas un discours simplement d'Africain, on avait un discours internationaliste. Donc notre position, ce n'était pas qu'on était des Africains, on était des internationalistes. Donc c'est sûr qu'il y en avait d'autres qui avaient un discours d'Africain, et comme vous le savez, dans cette société, il y avait les Africains de service qu'on utilisait pour parler dans le rôle que l'Africain est attendu. Donc ce n'était pas le nôtre. Nous n'étions pas subventionnés, on ne recevait ni du fédéral, ni du provincial, ni des municipalités un quelconque sou. Alors qu'il y avait plein d'autres associations africaines qui faisaient du tapage anti-apartheid, et d'ailleurs qui vont mourir toutes de leur belle mort, parce que souvent c'était des Africains de service qui avaient utilisé le fait qu'on avait besoin d'une voix africaine et qui cautionnaient ou luttaient ouvertement contre le racisme, qui avaient même des subventions pour lutter contre le racisme. Certains ont fait un très bon travail, d'autres ont fait de la figuration et ont profité de ces argents, mais nous, nous étions obligés de travailler avec tous ces gens-là sans en faire partie. Parce qu'on n'avait pas à recevoir de l'argent, comme je vous l'ai dit, c'est nos propres moyens qui étions mis. À ce moment, comme je dis, si vous n'avez pas de complexe, le racisme n'a pas de prise. Donc c'est notre mode de vie qui va. C'est un peu comme la vaccination, vous voyez. La vaccination vous permet de frayer, d'être dans la promiscuité des microbes qui seraient autrement fatales. Donc si vous êtes vacciné contre. Le virus du racisme, ben, vous pouvez très bien frayer dans un environnement raciste et il n'a pas de prise sur vous, ce qui n'empêche pas que vous fassiez votre travail d'extirpation, qui est un travail de conscientisation. La moitié des gens, au moins qui sont racistes, sinon plus, le sont par ignorance de l'autre, par une incompréhension de l'altérité. À mesure que l'humanité se mélange, on se rend compte que les véritables monstres, ils sont en chacun de nous en réalité. Que c'est pas parce qu'on est blanc qu'on est exempt de problèmes, ou pas parce qu'on est noir qu'on est exempt. C'est ces monstres intérieurs, comme Foucault le montrait, qui sont véritablement les problèmes, mais ce n'est pas dans l'altérité. Et plus on est d'une culture, je crois, ouverte, plus vous débusquez dans toutes les autres cultures les éléments obscurantistes. Qui crée le ménage endogamique, c'est-à-dire des gens qui refusent de se mélanger. Vous avez plein de gens qui se disent antiracistes, mais jamais ils laisseraient leur fille se marier ou leur garçon se marier à une autre culture. Jamais, jamais. Et pourtant, a priori, ils le sont. Donc ils ont encore une conception anthropologique très fermée, fondamentalement raciste, et dans leur réseau. Et il faut le dire que pour nous, la grande difficulté, c'est de pénétrer la culture québécoise, canadienne, qui est restée très frileuse. C'est-à-dire qu'on a plein de camarades, le fait de pouvoir les transformer en amis est très très dur. Bon, moi je ne suis pas un buveur de bière et bon, je ne regarde pas le hockey d'autre mesure et je ne tripe pas sur les voitures. Donc déjà, je viens de me priver d'une grande catégorie de camarades. Et il est un peu paradoxal pour autant d'années passées que j'ai si peu d'amis. J'ai quelques amis québécois-canadiens et je le déplore. Et c'est, je crois, un long travail de persuasion. Les femmes canadiennes et québécoises sont plus ouvertes à l'altérité, par curiosité peut-être, que les hommes restés davantage fermés, plus free, sauf ceux qui ont voyagé ou qui ont accepté de se mélanger. Mais en général, le racisme ambiant est beaucoup plus tenace qu'on le croit. Il est politiquement correct de paraître antiraciste, mais très vite, vous vous rendez compte que, sitôt qu'on rentre dans la bulle de la véritable relation, des perspectives de métissage,
à ce moment, il y a encore une barrière qui est là, qui est tenace, y compris dans nos rangs du mouvement anti-apartheid. Donc, qui était quand même beaucoup plus ouvert que le reste de la société. C'est même pas comparable. Et c'est ce qui explique que ces gens-là se tiennent entre eux, souvent vivent à l'étranger ou vont connaître des vies d'expatriés parce que les valeurs de solidarité, d'ouverture, la découverte de l'autre font qu'eux-mêmes se sentent mal dans leur propre société. Leurs propres co-religionnaires et compatriotes leur demandent comment ça se fait, vous passez tout ce temps-là avec ces Africains-là, pourquoi tu t'impliques tant dans cette lutte. Nous sommes Africains, donc on a une raison, mais c'est pourquoi, pour moi, j'ai un respect extraordinaire pour tous nos camarades canadiens et canadiennes, les Québécois et Québécoises, qui ont donné du temps, de leur vie, pour notre cause, qui ont fait ça, que ce soit professionnellement ou par militantisme. Pour nous, c'est maximum respect. C'est-à-dire que si parmi nous, il y a des Africains qui disaient non, 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 c'est des histoires d'Africains, on ne veut pas d'Occidentaux, mais on luttait contre les Africains pour leur expliquer que les gens que vous avez à respecter, c'est ces gens-là qui, eux, sont différents de leur société, qui ont pris fait et cause pour notre lutte et qui, objectivement, sont là. Pour nous, objectivement, mes camarades, Marie-Hélène Bonin, Stéphane Corriveau, Pierre Baudet, tous ces gens-là qui ont lutté dans notre cause, sont admirables parce que le reste de leur société était à contre-courant. Ils vont faire un travail méthodique de conscientiser les leurs, leur église, leur syndicat, leur mouvement de femmes, les jeunes, pour leur expliquer que non, 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 l'erreur que nous faisons dans notre pays, c'est de soutenir ce système-là qui est raciste. Nous devons changer. Nous devons changer nous-mêmes et ils sont absolument admirables. La couverture médiatique à cette époque-là, elle était comment? Elle était très, très ambiguë, ambivalente. Faut dire que le système des médias était, comme vous le savez, dans le système des communications. En 1974, le nouvel ordre mondial de l'information et de la communication est refusé. Donc, l'essentiel des médias sont encore contrôlés par les grands conglomérats. Et jusqu'à une période relativement récente, au début des années 80, certaines des vérités ne sont pas bonnes à dire dans la plupart des organes. De temps en temps, vous avez des articles qui se rapprochent de nos vues, mais il était tout à fait normal à l'époque que nous passions notre temps à répondre à des articles, à rectifier. Et c'était une des spécialités de la maison. C'était en fait quand vous regardez nos dossiers aujourd'hui, c'était des répliques à telle entrevue, à tel individu qu'on avait laissé. Et eux avaient droit à une réplique et on achetait des pages. C'était une lutte de persuasion médiatique. Et une grande victoire va être en fait une victoire médiatique, c'est-à-dire la façon par laquelle on va, en dénigrant ce qui était lié à l'apartheid, en démontrant les faussetés qu'ils répandaient, en montrant les accointances, c'est à partir du moment où ils ont commencé à perdre la guerre médiatique que le mouvement anti-apartheid a commencé à avoir de l'emprise. Les décideurs et les firmes privées étant évidemment très susceptibles de l'image qui étaient en train d'être ternis et vont commencer eux-mêmes à changer. On va voir petit à petit l'évolution dans les journaux. Des petits entrefilets dans lesquels on était à peine cité, on a commencé à avoir des oppèdes et petit à petit, il faut rendre hommage à des journalistes comme Janet Kahn, par exemple, qui eux ont osé dès le début poser des politiques très claires anti-apartheid dans les colonnes de leurs journaux, à débusquer l'ambiguïté ou carrément la complicité des États-Unis, du Canada, des pays de l'OTAN, et qui avaient des petits interstices de liberté qu'ils ont agrandis eux-mêmes, et qui faisaient que, bon, au niveau de l'audimat, ils vont être plus lus. Donc, moi, j'ai eu la chance d'être propulsé sur les plateaux de TV et dans les journaux très tôt, mais parce qu'on a forcé les portes, on est allé taper, on avait tout le temps des communiqués de presse pour tous les événements qui avaient lieu, on envoyait. Et à un moment, effectivement, ils ont commencé à les lire et à daigner les écouter. Lorsqu'ils se sont rendus compte que le vent tournait, le vent a commencé à tourner, je dirais à partir de 85-86, ça commence à changer. Et en 1990, ça avait complètement basculé.
La question était comment maintenant défendre de façon cachée le contournement des sanctions. Comment changer pour que rien ne change. Et ça aussi, il fallait le débusquer. Donc les sanctions n'ont pas fonctionné complètement, mais elles ont été significatives pour faire tomber le système au niveau politique, mais pas au niveau économique, hélas. Qu'est-ce que vous répondiez aux gens qui disaient que les sanctions allaient faire plus de mal que de bien au peuple sud-africain? Oui, alors nous luttions à l'époque, la propagande sud-africaine utilisait le zèbre comme animal pour dire, bon, si vous tirez sur le blanc ou sur le noir, dans tous les cas, vous tuez le zèbre. Et donc c'était quelque chose qui symboliquement avait beaucoup d'importance pour montrer que, en fait, ils voyaient très bien qu'on était en train de gagner, qu'il fallait absolument empêcher que ces sanctions aillent, parce que ça faisait mal. Le nerf de la guerre militaire, pour eux, c'était l'économie. C'est un pays qui était complètement arrimé à l'économie monde. Vous savez, c'est avec le Ghana et l'Afrique du Sud que l'étalon or de l'économie monde a été construit. C'est avec les diamants sud-africains, avec une grande partie des richesses de ce pays-là, que l'édifice de l'establishment britannique aussi s'est construit. Le fait qu'on ait un monde qui soit au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, qui a lutté contre la ségrégation raciale, qui arrive et qui dit droit d'autodétermination de tous les pays, un homme, un vote, les droits humains, a été refusé 5 ans après par l'Afrique du Sud, qui crée un système de ségrégation qui persiste aux États-Unis. À ce moment, on voit qu'il y a en fait deux mondes. Un monde caché, économique, qui se tient aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en France, avec les intérêts sud-africains, et un autre qui est celui du système des Nations Unies, a priori celui de l'Assemblée générale, en fait, plus que le Conseil de sécurité, et la grande majorité, 3/4 de l'humanité, qui est du bon côté de l'histoire et qui dit ce système ne peut pas perdurer. Alors, effectivement, ces deux univers font que lorsque il n'y avait pas trois options. Soit c'était une résistance passive sur le mode pacifiste, un peu à la Gandhi, massivement, etc. Les gens ont fait ça. Il y a eu Charleville en 1961. Ensuite, il y a eu les événements de Soweto. Et là, il y a eu une radicalisation au sein même des Nations Unies. Ça a été légal de mettre l'Afrique du Sud sur les bancs et ça a été légal de proposer le boycott et les sanctions. Donc, à partir du moment où nous avions une légalité pour dire effectivement il faut infléchir ce pays-là parce que autrement il ne comprend que la guerre et sa réponse était extrêmement cruelle, les sanctions allaient de soi. C'était ou ça, ou littéralement rentrer dans la spirale de la lutte de libération armée. Il faut dire qu'elle existait en Europe. Vous aviez l'IRA, vous aviez au Japon Rengo Shirikwa, vous aviez la bande Abadère en Allemagne. Donc il y avait déjà des groupes d'extrême gauche qui recouraient à des pratiques d'insurrection armée, etc. Donc il y avait un climat qui prédisposait à ce qu'on aille vers des solutions militaristes. Et vous aviez la ligne médiane qui était, bon, ça fait peut-être pas de sang, mais ça fait autant mal au système. Vous boycottez leurs produits, vous arrêtez d'investir, vous les excluez littéralement du monde civilisé des droits humains, en passant du sport aux cultures, et très vite vous allez voir que ce régime va être en tout cas peut-être pas détruit, mais déstabilisé. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Sauf qu'ils vont eux-mêmes se radicaliser, et ils vont commettre des erreurs en choisissant, eux, la voie de la spirale guerrière, la déstabilisation des pays de la ligne de front, les assassinats ciblés, et ils vont aller eux-mêmes vers leur perte. Donc quand Peter Botha finit par être heureusement paralysé par son opération, eux-mêmes sont fragilisés et donc les réformistes arrivent au pouvoir et ils négocient une sortie de crise qui a posé beaucoup de problèmes parce qu'à ce moment, les sanctions qui étaient déjà contournées par beaucoup de pays ont été arrêtées, ont commencé à s'affaiblir, mais ils avaient déjà réussi à faire l'essentiel du travail. De conscientisation, de qu'est-ce qui est sud-africain, de ce qui n'est pas, de qui est lié à cela. Donc chacun avait l'odieux d'essayer de prouver que non, 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 on n'en fait pas. Et ici, c'était des choses très simples, hein. C'était
Houspan, les Granny Smith, des pommes, des oranges, du vin, des choses que monsieur et madame tout le monde touchait. On ne parlait même pas des biens de luxe, là, comme Burks et De Beers et compagnie. C'était des choses que tout le monde utilisait inconsciemment. Un exemple simple, lorsque Jean Doré nous propose de faire la ville anti-apartheid et qu'on lui dit, bon, le consulat sud-africain, nous on était là tous les vendredis à faire des manifs pour qu'il ne soit plus là, ben, la firme Trizec, eh bien, elle louait les locaux au consulat sud-africain, mais la ville de Montréal elle-même louait à Trizec dans des locaux à Montréal. Donc, quelque part, il était difficile de faire des sanctions. Donc, on avait une ville anti-apartheid, mais la ville elle-même était liée à des intérêts. Donc, c'était extrêmement difficile de faire ce travail. Sur le principe et sur le papier, tout le monde était pour. Dans la réalité économique, les imbrications avec le capital, ça a été très long. Mais on a réussi à faire désinvestir l'université McGill. On a réussi des coups de force qui à l'époque n'était pas à notre portée, mais parce qu'il y avait un pouvoir moral petit à petit de ne pas transiger avec ce système-là. Donc il fallait prouver qu'on était plus lié, si on l'était, ou alors qu'on n'avait rien à faire. Et ce capital va réussir, mais des grosses firmes comme Shell, comme bien d'autres intérêts, vont continuer à résister jusqu'au bout. La Banque royale du Canada, en tout cas, plein d'institutions étaient littéralement liées. Le capital était vraiment imbriqué. Et le capital, c'est quelque chose de nos shareholders, tous les porteurs de portefeuille, c'est pas bon pour les investisseurs. Alors, quand les sanctions ont commencé à être négatives pour les affaires, c'est ceux-là même qui soutenaient le système qui ont commencé à tirer les plugs. Et à ce moment, ça sentait le roussi pour l'apartheid qui a commencé à mourir de sa belle mort. Est-ce que vous êtes allé en Afrique du Sud? Alors, je suis allé à l'aéroport de Johannesburg, de retour du Mozambique. On a dû faire escale. Et je me souviens d'ailleurs d'une scène assez intéressante, parce que moi, je suis le seul Africain de cette délégation canadienne. Paradoxalement, ça dure une éternité. J'ai un passeport sénégalais à l'époque. Tout le monde est passé sauf moi. On épluche mon truc. Apparemment, il y avait eu des trafiquants sénégalais ou peu importe, allez savoir pourquoi. Et donc, ce jour-là, je suis fouillé et mon appareil photo est considéré suspect. Et le flic de service veut absolument s'assurer que l'appareil photo est un appareil photo. Et donc, je veux prendre une photo de lui. Et là, il pousse ma main et donc je tire la photo et j'ai les trois drapeaux, celui d'orange. Le drapeau sud-africain sur cette photo, ça a été la seule photo que j'avais de l'Afrique du Sud et de mon passage en Afrique du Sud. On avait pris la peine d'envoyer par, je pense que c'était le PNUD, le représentant du PNUD, toutes les informations qu'on avait collectées dans ce fact-finding tour. On était passé par la Zambie, le camp de l'ANC à Lusaka, au Zimbabwe, puis ensuite au Mozambique, et toute la documentation, on l'avait fait venir. Donc, on est passé comme si on était juste des touristes de passage. Alors ça a été mon épisode sud-africain. Alors, c'est fascinant parce que j'ai non seulement visité plusieurs pays, été invité dans plusieurs, mais jusqu'au moment, c'est un des trucs les plus extraordinaires. J'y suis toujours pas allé. Je crois que je vais devoir y aller de mon propre gré, ne pas attendre d'y être invité, je crois. J'ai beaucoup d'amis qui me réclament, qui ne comprennent pas d'ailleurs comment ça se fait que je préfère sillonner ailleurs, mais ça ne saurait tarder. Ouais. Est-ce qu'il y a certains académiques, certains chercheurs, je pense même, par exemple à Linda Freeman, ont déjà écrit sur le mouvement au Canada, sur la politique étrangère canadienne par rapport à l'apartheid. Qu'est-ce que vous considérez essentiellement qui reste encore à dire et qui doit être mieux compris par rapport à cette histoire-là, aujourd'hui? Mais peut-être que moi sera dû pour écrire l'histoire du mouvement contre l'apartheid, des ramifications entre le capital, les segments nord-américains et l'Afrique du Sud, sur les systèmes d'intelligence qui ont existé, de proximité, sur les systèmes d'armement.
y a eu du travail académique remarquable. À l'époque, il y avait Ida Fza, il y avait Linda Freeman, John Saul, Colin Lees. Il y a eu beaucoup d'efforts académiques d'essayer de comprendre la nature du mouvement, les liens, ce qu'on pouvait faire pour améliorer. Mais bon, maintenant, ces choses-là font partie de l'histoire. Moi, je crois que ce qui est toujours à l'ordre du jour, c'est la situation post-apartheid, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'on a du mal à éradiquer fondamentalement, parce qu'il y a des gens aujourd'hui en Afrique du Sud qui vous disent c'est pire qu'avant, il y a des gens qui le vivent effectivement encore pire qu'avant, il y a une bourgeoisie noire qui est née, est-ce que c'était pour ça qu'on a lutté, il y a eu des formes de répression, des bavures type qui ressemblent à s'y méprendre à des pratiques qu'on pensait dépassées. Donc, il y a le racisme contre certains ressortissants africains, quoique au Grilla, on avait déjà montré à l'époque de Ngozi, qui était la frontière avec le Mozambique, qui avait déjà ce côté frileux de refuser les autres Africains. Mais bon, bref, il y a beaucoup de choses à écrire sur la canadianisation même de l'Afrique du Sud, c'est-à-dire comment le modèle canadien a perverti et servi de modèle en Afrique du Sud, et comment lui-même n'a pas résolu la question canadienne aujourd'hui, qui reste toujours pour moi à l'ordre du jour, sur la question amérindienne, sur l'idée d'un autre système confédéral, car celui-ci est fait de rapiéçage, et on doit étudier la crise du modèle britannique, ce système de Dominion qui crée ses monstres en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Canada. Peut-on le dépasser? Est-ce qu'on peut... Et je crois que tout ça sont des chantiers académiques profonds. La question de l'altérité aujourd'hui, l'ère séculaire, apprendre d'une politique basée sur l'humanisme et je dirais le syncrétisme. Le modèle canadien multiculturel, peut-il encore servir d'exemple ou pas? Donc, je crois qu'il y a un travail dont des camarades comme Linda avaient commencé, qui a d'ailleurs continué. Il y avait pas mal de thèses d'étudiants. Moi, à l'époque, je m'intéressais aux similitudes entre le sionisme et l'apartheid pour montrer effectivement que ces systèmes-là s'abreuvent à des sources relativement similaires dans les complexes idéologiques et dans leurs réponses militaristes et financières. Donc, oui, je crois que seule l'imagination est la limite et il n'y en a pas. Donc, le champ académique est complètement ouvert. Mais pour moi, c'est la nature de notre système monde, qui est un aparté d'un système global, qui mérite l'attention particulière. Et ce n'est pas seulement des Canadiens, c'est de la planète entière. C'est comment faire pour sortir de cette condition-là. Comment aller vers une autre humanité. Et là, c'est la survie de la planète qui en dépend. Donc, nous devons tirer des leçons de ce modèle et de l'inconsistance, de la persistance de ces phénomènes-là. On voit les tueries en Amérique, on voit la question noire qui est toujours pas réglée, pourtant on a un président métis. Donc, l'histoire bégaye, c'est rien n'est encore acquis, toutes ces choses-là sont encore à l'ordre du jour. On doit les dépasser. Pouvez-vous décrire ou parler du système canadien comme modèle pilier avec l'Afrique du Sud, décrire les relations du mouvement au Canada ou plus au Québec avec les groupes autochtones? Quelle était l'implication ou les rapports? Est-ce qu'il y avait des échanges d'idées, communication, Alors, participation? ils étaient très minces. Il a fallu attendre des moments de crise. C'est-à-dire que dans les illustrations, nous nous montrions comment le modèle canadien, la condition indienne, ici minoritaire, mais en Afrique du Sud majoritaire, le système institutionnel, le montage constitutionnel, les droits, l'humiliation, les conditions de sous-développement, en fait, toutes ces similarités, on faisait des effets miroirs. Et les crises de Kanaisetake, de Kanawake, les problèmes de la Confédération et de l'unification des Amérindiens ont été autant de moments, de points d'entrée qui font que, bon, des chefs comme Joe Norton, entre autres, Conrad Sewe et bien d'autres, vont effectivement être parfois sollicités ou vont avoir des liens avec le mouvement.
je trouve que nous n'avons pas significativement et suffisamment exploré la collaboration et l'intensification des relations en dehors des périodes de crise et de façon symbolique. C'est une des grandes, je crois en tout cas, c'est une des grandes faiblesses de la solidarité de notre mouvement. Et ça vient du fait que c'était des solitudes. L'univers canadien, même progressiste, n'est pas suffisamment enraciné dans la question amérindienne, ou seulement de façon éparse. Donc nous avons toujours un petit volet, on leur faisait une petite table et tout. Et la réciproque est la même. Eux non plus n'ont pas su aussi développer suffisamment la question de l'apartheid pour illustrer leurs propres conditions et le changement du système fédéral et confédéral. Et on en est encore presque au même point aujourd'hui, c'est-à-dire que l'apartheid est tombé officiellement là-bas, mais la question amérindienne, les Indiens sans statut, les différents régimes persistent paradoxalement. Parce que tout un système institutionnel et même culturel d'aliénation persiste. Et on n'a pas osé pousser la réflexion autrement que en restaurant, en réformant ce qui existe déjà. Donc il faut avoir le courage historique de dépasser cela. Et nous étions probablement les mieux placés pour réussir ce travail de réforme en profondeur et de démontrer les similarités entre ces systèmes-là, surtout pour un pays d'immigration, et donc de changer la question de la canadiennité. Malheureusement, nous n'avons pas réussi, je crois. C'est pas fini, l'histoire continue. Mais donc on peut très bien utiliser tout cela, dépasser la simple question du bilinguisme et des solitudes pour donner un renouveau confédéral. Il y en a d'autres qui ont un discours plus indépendantiste, qui aussi ont un droit. Mais je crois que tout cela fait partie de la même crise. Il faut poser la question amérindienne comme un problème fondamental de racisme, de constitutionnalité, d'usurpation, de pillage. Et à ce moment-là, effectivement, le lien avec l'Afrique du Sud sera plus évident. Est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez ajouter? Je crois qu'on a tout dit. Même Jessica dort. J'essaie de voir là. Do you have time? Yes, 12:05. 12:05. Je pense que tu as fait le Oui, tour là. oui. Il nous reste juste à aller voir les petits documents, mais on a tout ce Parfait. qu'il faut. Mais merci beaucoup. So you must be hungry. Oh.